Mamma mi mamma mamma. Vous êtes revenu ou pas? C'est à cause de mon Adobe Installer qui s'est lancé tout seul, ce petit enfoiré là. Vous me recevez loud and clear? Vous êtes revenu? Vous êtes là? Vous êtes présent? Il y a du monde? Ouais, mais ça bug là, putain. Ça marche bien. Ok, normalement là c'est revenu, excusez-moi. C'est mon Adobe Installer, vu que je suis à la campagne, ça casse les couilles. Est-ce que là vous recevez bien? Salut Granouf! Francis la lag. Normalement là c'est revenu. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est revenu pour vous? S'il vous plaît les ozos. Si vous mettez des alertes, j'imagine que c'est revenu. Oh Gaël, tu es si beau Gaël, tu me fais du bien. Est-ce que vous me recevez loud and clear dans le chat, s'il vous plaît? Oh là là. Ah oui, ça a coupé carrément, putain. J'étais en plein braquage en plus. L'enfer. Merci. Bah ouais, mon Adobe Installer qui se lance, qui prend toute... Je sais pas comment ça fonctionne ce truc d'Adobe là. Mais lorsqu'il y a des mises à jour automatiques qui se font, parce que j'ai la suite, Adobe, que j'ai acheté, que j'avais payé un abonnement, cher, trop cher, ça prend toute la ressource de mon ordinateur. Mais tout. Tout. C'est-à-dire si Internet c'est à 9 mégas, ben Adobe il va prendre 8,099 mégas de capacité. Je sais pas comment c'est possible leur système là. Plus rien n'existe si, quand Adobe fait sa mise à jour. Elle est sympa ma vie. Hein. Alors 300 sacs.
N'hésitez pas à faire un refresh dans le chat pour être à l'heure. Je sens qu'il y a un petit décalage encore entre vous et moi. Quand je fais caca, vous dites caca. Caca. Non, ça va. Quelques secondes. Tout va bien. Scott. C'est vrai que c'est long à écrire. Ouais, c'est relou créatif. Mais bon, après, ça marche bien. C'est un super outil. Mais ça fait chier ce truc de ressources. En plus, ça se déclenche tout seul. Là, ça m'a clairement niqué ma connexion. D'un coup. Après, bon, je suis à la campagne, j'ai pas la fibre. Elle arrive doucement, elle se rapproche de mon village. De semaine en semaine. On y est presque. Ouais, faites du F5, hein. faites du refresh pour être calé avec nous quand on discute. Et voilà, 100 personnes en moins à cause du bug. Putain! Chaque fois j'ai une couille, hein. Ça me fait perdre tout le monde. Francis a braqué fort. On a besoin du petit Francis. Francis, bonjour. Francis, au secours. Ouais, mais ça fait chier les bugs là. La dernière fois c'était pareil, j'ai eu un gros bug aussi. Enfin, c'était l'orage, c'était pas ma faute du coup. De toute façon, c'est jamais ma faute. Moi, je suis super. Non, c'est pas là que je voulais aller. Attends. C'est pas là non plus. Hein. N'importe quoi, moi. Ouais. Pas facile la vie de nos jours. Plein de problèmes qui nous cassent les couilles. Tu as déclenché la récompense suprême, parce que tu es une belle personne. N'écoute pas ce que disent les autres, t'es super, mais on ne fait pas d'alerte pendant la partie. C'est surtout avant ou après. Mais je ne peux pas interdire d'avoir du fun, parce que je ne suis pas la police du fun. Moi ce que j'aime bien c'est le fun. Le fun et encore le fun. Le plaisir, la rigolade. Tiens. Oh, comment ça se passe ici? Et bonjour!
Je viens pour un braquage. Je sais très bien que vous traficotez là. Hein. Faites pas que des tatouages ici, hein. Je le sais. Hein. On me l'a dit. On me l'a dit. Hein. Je sais, on me l'a dit. Hein. Ça paye pas autant les tatoueurs. Hein. Moi j'ai plein d'amis tatoueurs et ils gagnent pas autant. Après ils gagnent bien leur vie quand même. Certains ils ont des tarifs un petit peu exorbitants. Certains appliquent des bons tarifs. Après ça reste un travail artistique, c'est artisanal, c'est normal. La préparation, faut payer le matériel, faut bien se laver les mains. Mais vous, je sais que vous trafiquez, hein. Ça trafique grave ici. Hein. Trafiqueur. Trafiqueur. Il n'y a pas de problème, Silver Dédé, il n'y a pas de problème. Mais ouais, généralement, on fait en début de live ou en fin de live quand Francis n'est pas en train de parler, de chanter ou de discuter ou de faire une scène. Parce que sinon, ça pire. Oh. Pour Francis, hein. Non. Malheur, j'ai flippé. Oui, c'est pour moi. Ta 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 ta. Putain, j'ai des lags. Impossible de faire une CP avec des lags là, ça casse les couilles. Là là là. Arrêtez-vous, ça sert à rien. Arrêtez-vous. Jamais je m'arrête. Ta 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 ta. Oh super. Let's go! Attention madame, excusez-moi. Mais non. Yeah! Encore une CP de gagner. Putain, c'est pas facile avec les lags, hein. Fait chier. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Casse les couilles, là, mon ordi. Putain. Si j'avais pas eu le lag, j'aurais pas tapé la meuf. Le ban. C'est toi le ban.
Je l'ai tapé parce que j'ai eu un lag, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des coupes de frame. Sinon j'aurais pas touché. Et j'ai dit pardon, quand je dis pardon ça va. Et on a besoin de la police, ça c'est vrai. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne fais plus de off-road. De off-road, pardon. Dès qu'il y a des CP, maintenant je reste en ville. Pour justement pas tricher, quoi. J'ai même fait un ticket avec les modos de 21 pour leur demander si c'était ok de faire des CP avec le quad, vu que c'est la marque de fabrique de de Francis. Et ils m'ont dit ouais, tant que ça part pas en off-road, c'est bon. Et là, bah, je suis pas parti en off-road. J'ai pris une mini rue que je connaissais pas d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes perdu? Non, j'étais... J'ai dormi ici. Ah mais d'accord. Pardon, je suis un petit peu étonné, excusez-moi, hein, j'étais pas prêt là. Non, pas de soucis, désolé. Oui, je suis un peu intruse chez vous. Ah non, mais il n'y a pas de soucis. Je viens de me réveiller, donc... Ah, il n'y a pas de soucis. C'est marrant. Du coup, vous êtes la petite chérie de Giovanni? Non, je suis une amie à Giovanni. Ah d'accord, non, parce que je suis pas trop être curieux, hein, c'était pour savoir. Vous me reconnaissez? Absolument. Pas du tout. Moi aussi. Ah ok. Mais d'accord, donc vous êtes juste amis, enfin non, mais je veux pas faire mon vilain curieux. Oui. Non, vous tracassez pas, vous pourrez lui demander. Hein. Ouais, non, mais y a pas de souci. Je me suis blessée en fait, on a fait du BMX hier. Ah super. Oui, c'était trop chouette, mais on avait tous les deux très mal, donc on est rentrés ici sous la pluie. Et ah, moi, bah, j'habite ouais. près de l'océan, près de la Grèce, sur la Great Ocean, donc c'était plus loin. Ah ouais, pas de souci. Hein. Et comme on m'a dit que vous dormiez dans le canapé, ben, j'ai pas voulu vous embêter. Ah non, bah, vous m'embêtez pas, y a pas de problème. Hein. Je suis en train de travailler, voilà. Tranquille. Vous voulez un petit truc à boire, à manger? Il y a plein de trucs dans le frigo. Hein. J'allais regarder pour un petit café. Ah ben bah, allez-y, hein. Il a une super machine à café en plus, Giovanni. Oui, je sais. Vu qu'il est italien, il rigole pas avec ça. Fait du bon et café. Et ça va alors? Ouais, ça va, je passais un bon week-end, un peu tranquille, j'ai chillé, j'ai beaucoup joué à Call of Duty. Ah oui? J'ai un peu fait de musique, j'ai avancé un nouveau morceau, très sympa celui-là. Je sais pas si vous connaissez, ben non, vous connaissez pas, je l'ai pas sorti. Mais non. C'est un morceau qui parle essentiellement d'amour, du fait que je suis en manque d'amour en ce moment. Oh. Ouais. C'est Francis, en manque d'amour, besoin d'amour, amour vital. C'est comme de mettre de l'essence dans sa voiture, on a besoin d'amour, ouais, on a besoin d'amour. Voilà, en gros, ça fait ça, mais je suis pas assez... Bah, c'est chouette, oui, tenez, un peu, c'est un peu du bonheur quand même. Je sais, 100%, je l'ai complètement pas reconnu. Oh bah, c'est gentil, ça. Voilà. Je suis un peu accro au chocolat, moi, j'avoue. Vous êtes quoi? Un peu accro? Accro au chocolat. Bah, écoutez, j'ai 292 barres de chocolat sur moi, si vous en voulez. Combien? 292. C'est impossible. Vous voulez voir? Ouais. Vous ne croyez pas? Je vous crois pas. C'est beaucoup trop, 204. Vous êtes traficoteuse de chocolat ou quoi? Allez-y. Oui. Vous pouvez me fouiller. D'accord. Je vous fouille, hein. Oui. La vache! Mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Oui, il paraît que je fais du trafic de chocolat. La vache! Non, on m'en donne beaucoup. Parce que, en fait, quand je suis arrivée sur l'île et que j'ai compris que Gigi, elle était fort embêtée, je me suis dit qu'il fallait aussi lui donner un peu d'amour. Donc, à chaque fois que je vais en supérette, je lui achète un ou deux chocolats. Et après, je les distribue. Ouais, je fais ça aussi. Des fois, ça m'arrive. J'achète du chocolat à Gigi. Ah oui? Ginette. Ouais. Oui, et puis voilà, et là, on m'en a donné beaucoup. Parce que Giovanni m'a roulé dessus à vélo hier et du coup, pour se faire pardonner, il m'en a donné 100. Il est sympa, Giovanni. Hein. Oui, il est sympa. Et du coup, ça vous intéresse pas, vous, de Giovanni, en amoureux potentiel, en chéri, en petit chéri, en petit copain, en petit doudou?
Non, bah, c'est pas pour l'instant, je recherche pas tout ça. Je cherche des amis avant tout. Ouais, moi j'aime bien faire l'entremetteur quand je vois qu'il y a des gens qui sont sympas, j'aime bien les mettre ensemble. J'ai déjà fait plusieurs Oui, c'est fois. gentil. Et je me dis, tiens, lui va bien avec elle, elle va bien avec lui, elle va bien avec elle, lui va bien avec lui. Pas de discrimination, tout le monde va bien ensemble. Oh bah oui, bien sûr. Et du coup, là, je me suis dit, vous avez l'air très sympathique, ma foi, au demeurant. Et Oui, c'est gentil. d'autant plus que vous dormez là, donc vous connaissez déjà l'adresse. Oui, mais j'étais déjà venue visiter en plus. Ben, c'est Oui, ici qu'on avait fait l'interview. je me rappelle. Sur le canapé, Oui. avec votre collègue qui a le tatouage sur le front, là. Lune, oui. Comment il s'appelle? Lune. Lune? Lune, oui. Comme la lune? Comme la lune. Sympa. Comme viser la lune. Ça me fait pas peur! Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices. Voilà. Chantez bien, hein? Oh, La non. vache! J'adore Ah chanter. non, mais là, il faut faire une carrière, il faut se lancer la carrière. Ah non, non, non. Regardez, j'ai lancé ma carrière de danse en venant danser pour vous pour le concert. Ouais, c'était bien. Mais là, vous chantez bien. Est-ce que vous connaissez Solide comme le rock? Solid comme un rock, c'est ça? Ouais, allez-y. Ensemble comme un Rock. rock, tous unis comme un rock. Boosté Oups, à à bloc. bloc. Solide comme le Rock. 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 C'était qui Oui. ça? C'était Nadia? C'était Nadia. Oui, C'est ça, c'était Nadia. Nadia. Ouais. Et c'est parti pour le Pour show. le show. C'est Et parti. c'est parti, le stade est chaud. Et c'est parti. Je sais plus. Tout le monde Pour est le. beau ce soir. Tout le monde est beau ce soir. C'est parti les petits zozos. C'est Les parti, petits c'est moi qui oiseaux. fais le show. C'est Le parti, on va show. s'éclater ce soir. S'éclater ce soir. Ah ouais, on se rappelle des mêmes paroles, c'est marrant. Ah, c'est fou, hein. Oui. Ben ça, ben je vais vous laisser travailler sur votre son et je vais aller en fait me faire soigner parce que j'ai quand même un petit peu mal. Ah, vous voulez un pansement ou si ça nécessite l'hôpital? Ça nécessite un plus grand pansement. Vous voulez que je vous dépose en voiture? Ah, ce serait avec plaisir, oui. Allez, let's go. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas de souci, hein. C'est parti, tout le monde est chaud. Et vous travaillez sur votre son alors là? Là, ouais. Enfin, j'ai fait deux, trois courses là. Ah, d'accord. Je vais ranger mon quad et je reviens vous chercher. D'accord, merci. C'est parti, tout le monde est chaud. Ce soir. C'est parti. Ah merde! Oh bah c'est pas grave, je vais lui piquer sa bagnole. Hein. Prends sa moto. Ça va, il s'en fout. Hein. En fait, j'ai pris la moto de Giovanni. Il est trop marrant votre casque. Oui, j'adore. Pardon. Y a un petit Oui. trou pour laisser passer les cheveux. J'adore, c'est génial. Oui, ça fait pompon, ça fait amortisseur supplémentaire comme ça. Ah, c'est bien. Casque pompon, j'adore. Le casque pompon, oui. Ah, casque pompon. Le zèbre pompon. Casque zèbre, le pompon, c'est le pompon. C'est parti, tout le monde est chaud. C'est marrant, j'ai envie de chanter des chansons de R&B des années 60, des années 90-2000 françaises. Je suis une femme like you. Ah Et quand tu donne-moi ton cœur. chantes, j'oublie. J'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un sens à ma vie et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ quand on est parti, nous ramène à la soirée du bal, on est sorti. Et si ce même. Pardon, je me suis lancée. C'est génial. Et vous, en soirée karaoké, faut pas faire des battles, Désolée, j'étais partie là. La vache. Femme like Like you. you. Faites au bout du monde une femme. Like you. Like Et...
Bah merci beaucoup. Bah de rien, bonne journée. Mais vous bossez au Weasel, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. Mais le Weasel est fermé pour le moment, donc... D'accord. Donc pas de travail. Bah au plaisir, hein. Peut-être on se croisera encore un matin dans la cuisine, c'était super. Peut-être, sûrement. Génial. À bientôt. À bientôt, merci bonne beaucoup. Journée. Bonne journée. Au revoir. Je l'avais évidemment pas reconnu, une femme like you. Hey. Elle est marrante en tout cas. C'était tellement drôle de tomber dessus. Oh Gaël, tu es si beau Gaël. Tu me fais du bien. Après cette CP pleine de lag et de bugs là, putain, ça faisait chier. J'étais bien, j'étais chaud du quad. Fini maintenant les off-road. Fini. On reste en ville, si on se fait gauler, tant pis. Putain, j'espère que je vais pouvoir la rentrer. Ah, c'est bon. Ouf. Elle m'aime bien. Et Giovanni, il est où d'ailleurs? Petit coquin. Déposer les liens. Oui, quand même. C'est pas parce que Francis discute deux minutes avec quelqu'un qu'il a un crush. Calmez-vous. Mais elle est très sympa. Elle est marrante. Oh merde! Au revoir, madame! Je veux une femme like you. Hey. C'était quoi déjà les paroles qu'on avait fait Kazé? Oula, elle est vite. Donne-moi ton cœur, Kazé. Et bonjour. Ça va? Oh, Francis. C'est Francisco. Oh, nickel. Oh, mais comment c'est beau ce truc. Ouais, c'est beau. Hein. Ah ouais. Je sais pas si ça roule bien, mais c'est beau. Ça roule hyper bien. Lui et moi, on a la même chevelure de feu. Hein. Nickel. Oh, faut dire ça à Jean-Michel, il va être content. Ah bah ouais. Je crois que vous êtes les deux seuls à avoir une coupe mulet hein, sur cette île. Ouais, mais c'est parce qu'on essaie de relancer une tendance de la mode. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Toi, ça tirait bien, un petit mulet. Hein. Ah ouais, non, on va pas commencer. Non. La brosse en l'air, le petit mulet, ça tirait bien. Mais je trouve que le mulet est un peu bouclé, là, il passe plus facilement, on va dire. Ouais. Mais ouais. Ça tirait bien. Ouais, non, mais sans façon. Franchement, ça va. Faudrait tester, je pense. Hein. Quand je ferai un pari que je perdrai, non, y a pas de nickel. C'est un pari que j'ai gagné. Voilà. C'est un pari que j'ai gagné avec la vie. Ah, nickel. Ouais. Alors, Répa, c'est quoi le modèle de cette chose fabuleuse? C'est un Hot Rod Blazer. Est-ce que... Oui, c'est dans les voitures, c'est normal. Hot Rod Blazer, oui, parce qu'il y a 4 roues. C'est pas faux. Oui. Et les motos à neige aussi sont dans les voitures. Alors ça, je comprends moins. Ça n'a aucun sens. Voilà.
Mais ne cherchons pas à comprendre. Non. Il y a des choses qui nous dépassent dans la vie. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon bah c'est tout bon. Bah écoute, bonne balade. Hein. Ouais, merci. J'ai une question à vous poser. Oui. Attends, on se tutoie. Oui, ah oui. Depuis le temps, attends. tu penses qu'il y a... qui est arrivé en premier sur Terre? La courgette ou le concombre? Waouh. Moi, je dirais la courgette. Pourquoi? Parce que ça fait plus légumes anciens, tout ça, tout ça. Je me dis... tu vois, ça dit peut-être dériver du potimarron, la courge, et c'est que des vieux légumes. Donc je me dis, je dirais ça. Voilà. Toi, tu dis courgette. Ouais, petite courgette. Ouais, parce que je me faisais une salade, une petite poêlée de légumes, et j'avais mangé un concombre le matin. Le soir, je fais une petite poêlée de légumes, courgette, aubergine, poivron, tomate, oignon, ail. Ah ouais? Ouais. C'est en mode détox? Ouais, j'aime bien cuisiner. Et je me c'est quasi une ratatouille, hein, on va pas se mentir. Clairement. C'est pas loin. Et je me suis dit, tiens, qui est arrivé en premier? Le concombre ou la courgette? Et t'as trouvé la réponse du coup ou pas? Absolument pas. Ah, déception. Bah si t'as la réponse un jour, écoute, je t'envoie un message. Nickel. Ok, je vais faire mon enquête. Nickel. Bah mais merci en tout cas. Bah de rien, bonne journée. Bon courage. Profite bien. Merci. Ciao, ciao. À plus. Mais ouais, c'est vrai, ça, je viens de voir l'alerte. Je vous rappelle que c'est le mois Ableton sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai le logo Ableton qui est sous le quad de Francis. C'est mon sponsor du mois de juillet. Tous les mercredis du mois, je vais faire un live comme la semaine dernière où on va faire de la musique en live. Sur live. Et d'ailleurs, je vais remettre le morceau qu'on a fait la semaine dernière. Ça marche bien. Bien cool. On va se le mettre un peu pour s'ambiancer. Mercredi, je vais soit refaire un nouveau morceau, soit avoir le push. J'attends, il doit arriver normalement demain ou mercredi. Le push 3 qui est sorti il y a quelques semaines. Et dans le cadre de ce partenariat, Ableton me prête un push pendant quelques semaines. Donc, je vais pouvoir faire le zozo avec. Oh, let's go! Let's go! Très bien placé ce prout. Let's go! Ah. Vamos à Ibiza. Vamos la croqueta. Vamos a croqueta, vamos a Ibiza, Ibiza. Ouais, Ibiza. 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 Ibiza, vamos la croqueta. Hein. Oh putain, mais faut que j'appelle Madame Collins. La rave. J'ai pas fait écouter. Ça marche bien.
vous rappelle également que le morceau La Queue Leu-Leu est sorti sur toutes les plateformes vendredi. Je viens de mettre les liens Spotify, Deezer, YouTube, Apple, Amazon, c'est sur toutes les plateformes. Let's go. N'hésitez pas à playlister, à liker, à partager, c'est cool. Que le en force. Évidemment, si vous avez un anniversaire ou un mariage, voilà, je compte sur vous pour lancer la queue. Hein. C'est la queue le, c'est la grosse queue le. La queue le. Et la grosse queue de Francis. Oh là là. C'est bien moustique. Putain, trois voitures sur le mec là. C'est chaud. Bah, pas tant que ça, en fait. En termes de conso, ça va. Évidemment, si vous balancez une queue leu-leu en soirée, mariage, anniversaire, bar mitzvah, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à filmer, à me taguer sur Instagram. Ça me fera plaisir. Et ça fera plaisir à Francis. D'ailleurs, vous me taguez soit moi, soit Francis, c'est pareil. Si ça a son compte Instagram maintenant. La tondeuse à gazon de Francisco. Let's go! Pas moche la croquette, pas moche la Ibiza, come on, let's go! Let's go! Tout en somme, hein? Pas moche à Ibiza. Pas moche à Ibiza. Ibiza. Pas moche à Ibiza. Ibiza. Pas moche à Ibiza. Ibiza. Ouais. Oula, je m'en garé. Salut poule piqué. Poule piqué, c'est ça? Poule piqué, poule piquette. Bonjour. Je viens pour un braquage. Ça va? Ah non, mais n'ayez pas peur. Non, mais... Ne mettez pas dans des états pareils. Je prends juste l'argent et je m'en vais. Bienvenue à toi, poule piquée. Ouais, ça veut dire remarquer... Je sais plus qui en parlait tout à l'heure. C'était Ramatoto, je crois. Nouvelle animation de Ginette qui stresse pendant qu'on la braque. Ça fait de la peine, hein. C'est un peu stressant. Mais c'est comme ça. Un peu plus de réalisme. Désolé, madame Ginette, je voulais pas vous faire peur. Je veux juste prendre l'argent et m'en aller. J'entendrai plus jamais parler de moi après. Hein. Je prends la caisse et je me casse. Désolé, hein. Désolé. Hein. T'es bien placé, tu vois.
Désolé, madame Ginette. Je vais mettre une bonne note sur TripAdvisor, je vous jure. Je vais aller sur TripAdvisor, je vais mettre 5 étoiles, je vais dire que le service est impeccable. Le niveau d'hygiène irréprochable. Service superbe. Vous inquiétez pas, comptez sur moi. Hein. C'est pas parce que je vous braque et que je vous fais peur que je suis une mauvaise personne. Hein. Non, non, non. Non, 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 loin de là, loin de là. Je fais ça parce que j'ai pas le choix. Je pourrais faire autre chose comme gagner ma vie dans de la musique et gagner beaucoup d'argent en concert. Mais non, non. J'ai pas le choix. C'est la loi de la rue, hein, madame Ginette. Hein. C'est la rue. Hein. C'est la street. Hein. C'est la street. Hein. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment... On peut plus... Ouais, on peut plus utiliser le téléphone en braquage. Pas mal. Ce qui est plutôt logique aussi. Ouais, big up, hein, dédicace à Ginette. On devrait faire une émote, big up Ginette. Pour tout ce qu'elle subit. Fini les codes moula. Mais si, pourquoi vous mettez pas code moula d'ailleurs dans le chat? Enfin. Là, ça moulaga bien, là. Hein. Allez, allez, allez. Code vert, code moula, let's go. Ouais, il y a plein de nouvelles... Il y a plein de nouveaux trucs, c'est cool. Hein. Et je sais qu'il y a les braquages aussi d'appart, mais je sais plus si Francis le sait in-game ou si c'est un truc que j'ai vu. Je suis pas sûr d'en avoir parlé avec quelqu'un. Il faudrait que je rechope l'info quelque part. Je crois, parce qu'il me semble en avoir parlé, j'avais dit ça, que je stressais pour ce qu'il y avait à la maison, donc il me semble que j'en ai parlé, mais je suis plus sûr. Donc il faut que j'en reparle. C'est bientôt fini, je m'en vais, madame Ginette, je m'en vais, merci. Hein. Au revoir, bonne journée, bon courage. Pardon. Oh là, il a fait un gros dérapage, lui. Hein. Désolé. Hein. Ça s'est tourné un peu vite. Hein. Marrant. Famos la croqueta. Famos la Ibiza. Let's go! Oui. Ça braque, ça fait de la moula ce soir. Moula ce soir. Pourquoi toute cette moula? Pour aller à Ibiza? Ben ouais, mon gars. Let's go. Pourquoi toute cette moula? Pour aller à Ibiza. Faire la teuf toute la nuit. Ouais. Des shots de vodka. Sur la plage à Ibiza. Ouais. Un peu de MDMA. Non, ça va, la drogue. La drogue, c'est mal. Hein. Pas de cogner avec ça. Hein. Par contre, une petite pizza pour l'apéro. Allez, une petite pizza! Pizza à de la vodka. On l'arrose avec de la vodka. Ça donne un peu plus de goût à la pizza. Pizza à Ibiza. Ta. Surtout pas de MDMA. Non, attends. La drogue, c'est mal. Pas déconner avec ça. C'est un fléau pour la jeunesse. Ça va et toi, 4K? Et 1, et 2, et 3, et 4K! 4K! Ouais. Toujours pas d'off-road. Attends, c'est qui 4 quarts?
C'est Sven. Décline ton identité. C'est Svenou. C'est qui 4K? Parce que là, Francis, il bosse. Il est tout seul, mais il bosse. Putain! Je t'ai appelé tout à l'heure. Je t'ai envoyé un message. Trop bien. Svenou, tu stream aussi ou pas? Et regarde, 349, ça monte là, hein, seul tout. Une CP en quad qui s'est bien finie, il y avait malheureusement des lags. J'ai un peu tapé une TDS, mais j'ai dit pardon. Sven. Bah ouais, je t'ai envoyé un message tout à l'heure. Je stream. Bah vas-y, n'hésite pas à mettre. Attends, je vais faire un petit partage. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Let's go. N'hésitez pas à faire un petit follow à 4K. 1, 2, 3, 4. 4K. Oh Gaël, tu es si beau Gaël. Tu me fais du bien. Très bon pilote. Il nous a régalé l'autre jour. J'aimerais bien refaire une CP avec toi. Donc les... Comment ça se passe les... Comment ça se passe les... Comment ça se passe les... J'ai tout... Comment j'ai d'argent? Dispersé là. 59. Zboob. De la merde. Attends, on n'a pas été payé encore pour le concert au refuge là? C'est quoi ce délire? Zboob. On a besoin du petit Francis. Francis, bonjour. Fier d'être un zozo. Ah non, alors là, si on commence à attaquer sur le quad, là, ça va très très mal se passer. Hein. Ouais, je vais pas finir trop tard parce que je... le lundi, c'est le marché gourmand de Beaumont, je vous le rappelle, en Dordogne. Tous les lundis soirs, on est à Beaumont, en force, pour aller manger des jarrets et du magret de canard et des fraises fraîches. Et plein de trucs super. Et boire du vin. Avec modération, bien sûr. Mais ouais, j'y pensais à la rave en plus là. Pour ça, il faut que je chope Giovanni et que j'en parle. J'aimerais bien demander à Elixir de faire le clip de la queue leu-leu aussi. Hein. En tout cas, j'ai très très hâte d'être à samedi. Samedi, festival Anamorphose à Duras. Pas loin de chez moi. Et pour une fois qu'il y a un festival pas loin de chez moi.
dans ce trou cosmique qui est la Dordogne. Il y a une belle prog, c'est sur deux soirs. Les places sont pas très chères. Et c'est cool, on fait la teuf devant un château. Il y a du mapping sur le château, il y a des performances. Il y aura de la bonne bouffe aussi. Et moi je vais jouer en premier en plus samedi. Je vais ouvrir le bal à 22h. Je joue 1h30. C'est beaucoup. Vu que je joue en premier, je joue plus longtemps que les autres. Je vais faire un peu house, bass, house, ça va être sympa. Je mettrai la rave à la fin de mon set aussi. Pour la blague. Fier d'être un zozo. Y'a pas des masses de trucs dans la région. Après Garorock, c'est pas giga loin, c'est à Marmande. C'est à 2h de chez moi. C'est quand même un gros festival aussi. On m'a proposé un taf de tourneur en Dordogne. Mais ça me fait un peu peur sur le côté trop en dehors de tout là-bas. À part Gaël. Très beau château. Tu sais que je fais Jean-Sac. Je fais gagner 2 places sur mon Instagram d'ailleurs. Si jamais il y a des gens qui sont pas trop loin sur Bordeaux ou quoi, ou qui veulent venir ce week-end au Festoche, je fais gagner 2 places sur mon Instagram. C'est sur mon dernier post. Ça dépend où tu... C'est où ton... La Dordogne, c'est très cool, moustique. Mal, surtout en ce moment. Là, c'est la bonne période, là. On va dire de avril, mai jusqu'à septembre, octobre, c'est chambé. Après, l'hiver, c'est un peu triste. Donc c'est bien de pas trop être loin d'une grande ville, quoi. C'est pour ça que moi, je risque de prendre un appart à Bordeaux. Parce que l'hiver, c'est un peu complicado, quoi. Et encore, moi, j'ai la chance de bouger régulièrement, faire des DJ sets, des concerts, des trucs. Mais si tu restes temps plein Dordogne, c'est pas... Facile, facile. Donc ça dépend où on te propose ce taf. Dans quel coin de Dordogne, parce que c'est pareil, il y a Dordogne et Dordogne. Faire bouder Francis, c'est un des trucs que je préfère en RP, je crois. Et Angoulême, c'est tout en haut en plus. Je connais moins le nord de la Dordogne, moi je suis plus au sud. Après, c'est très vert quoi, c'est les forêts et tout.
Bonjour madame. Bonjour, on est fermé. C'est fermé ? Ah bah, vous avez pas vu les news ? Oh bah non, j'ai pas vu les news. Regardez sur... Oui, on est fermé à durée indéterminée. C'est pas vrai ? Ça peut durer 48 heures, 10 jours, une semaine. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah regardez sur l'application. Ah ouais, oulala ! Suite à l'agression de 3 de mes employés, je vais annoncer la fermeture indéterminée. Oh, je n'aurais jamais ce type de comportement. Oh la vache, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah, comme vous pouvez voir, j'ai encore un peu de bandage. Oui, oui, je... gros accident, on va dire. Vous êtes fait agresser, vous ? Oui. La vache. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un braquage ? Oh non, c'était... boutif. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'on est fermé. Ah bah voilà. Si, ça m'intéresse, je veux savoir ce qui s'est passé. Attendez, la liberté de la presse, si oui, on commence à agresser les journalistes, attendez, oh ! C'est pas... Bah, oui, c'est un peu délicat d'en parler, voilà. Moi, on en parle mieux, c'est a priori, donc... C'est un gang. On se repose, juste notre patron qui... Voilà. Bah, il a raison, hein. Non, non, mais oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Faut pas qu'on se laisse faire, après. Voilà, du coup, je suis désolé, mais on va pas pouvoir répondre à vos demandes. C'est pas grave. Jusqu'à nouvel ordre, on a suspendu toutes nos activités. D'accord, c'est pas grave. Je voulais vendre ma voiture, mais c'est pas grave. Je reviendrai plus tard. D'accord. Ouais, y a pas de souci. Bah, on le fera dès qu'on rouvre. Vous inquiétez pas. Ça marche. Bah, bon courage à vous, hein. Tenez bon, hein. Vous laissez pas faire, hein. Ça marche, merci beaucoup en tout cas. Au revoir, bonne journée. Et bonne journée, au revoir. Au revoir. Excusez-moi, vous êtes déjà allé à Ibiza ? Oui, pourquoi ? Parce qu'Ibiza, c'est trop bien ! On danse, on s'amuse, on fait l'amour, on se drogue un petit peu, on boit de l'alcool et on mange quoi ? On mange des croquettes, casse ! Croquettes, casse ! Let's go, hein, c'est la fête, fête. Tout va bien ? Vous avez besoin d'aide ? Non. D'accord. Bonne journée. Au revoir. C'est la fête ! La fête. On mange quoi ? Des pizzas. On mange quoi ? Des croquettes. Miam, miam, miam. À quoi ? Au fromage et au jambon. Attends, petit gourmand, oui. Petit gourmand, tu vas quand même pas prendre un dessert. Après tout ce que t'as mangé ? Si, je pense bien que je vais prendre un dessert. Après tout ce que j'ai mangé, j'ai encore faim. Après, j'ai pas vraiment faim. C'est juste la gourmandise. Gourmand. Petit gourmand. 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 Il vous reste de la glace au chocolat ? Oui. Allez, let's go ! Miam. J'aimerais bien, des fois, être les autres joueurs et voir Francis arriver en musique et...
qui se mêlait de ce qu'il regarde pas du tout. $5,000. Quel enfer. Putain, j'ai dépensé au moins 40 000 balles dans la bagnole, il veut me la reprendre 5 000. Attends, ouais. Un truc de fou. J'aurais pas dû acheter cette merde. Putain. Blague. Je préfère la cramer, faire une cascade, sauter d'un immeuble en feu. 5 000 balles, foutez de ma gueule. Non, mais attends. Faut que je la vende au moins 20 000. Et chier. Putain. De blague. Je me demande où je vais aller cet été en vacances. Je peux partir lundi en 8. 4-5 jours. Mais je sais, je vais aller à Ibiza. Let's go. Wait, wait, wait. On va s'amuser sur la playa. Danser comme des foufous à Ibiza. Ibiza, Ibiza. Police là, c'était chaud. Attention. Bonjour. Bonjour. Vous attendez depuis longtemps? Ça fait 2 minutes, mais je viens d'avoir l'appel et ils me disent qu'ils vont arriver dans 3 minutes. D'accord. Je repasserai plus tard alors. Au revoir. Au revoir, bonne journée. J'avais envie de m'approcher très près de son visage. La 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 la. Bonjour. Yo. La rave. Alors. Déconne. Moi j'ai le truc pour reculer, hein, putain. Faites gaffe, enfin. C'est la fête, c'est la fête.
let's go, let's go, let's go. Playa, playa. Playa, playa. Playa, playa. Petit maillot mignon. Nouvelle paire de sandales, ouais, ouais, ouais. Nouvelle paire de sandales. Un sandale chaussette? Non, je crois pas. Sandale pieds nus? Ouais, je crois. Hein. Playa, 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 playa. Tiens, tu veux voir ma nouvelle serviette? Oui. C'est une serviette Deadpool. Elle est belle, hein? Oui. J'aime bien les serviettes à motifs, c'est marrant. C'est plus cool que les serviettes un peu boring, couleur unique. Là, c'est des serviettes à motifs, c'est cool, hein? Oui. Allô, la petite princesse. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as passé un bon week-end? Très bien. Quoi? T'entends pas très bien. Bah, t'as qu'à ouvrir tes oreilles. T'es sérieux, là? Moi, je t'entends bien. Je t'entends très bien. Loud and clear. Hein. Ta 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 ta. Qu'est-ce que tu fais de beau? Là, tu m'entends, là? Ouais, mais je t'entends pas fort. Ah bon? Mais ouais. C'est bizarre. Bah c'est étrange cette histoire. Ouais, moi c'est peut-être le téléphone qui bug. Hein, qui bug, dire. Ouais. Tu fais quoi là? Tu bosses? Non, pas du tout. Plutôt toute seule, je vais à l'hôpital. Hôpital du Nord ou hôpital du Sud? Hein. Du Sud, hein. Tu veux qu'on se fasse un petit délire? Tu veux qu'on se tape des barres? Ouais, vas-y. Tu veux que je te rentre à l'hôpital? Ouais. J'essaie d'y aller sans GPS, mais c'est pas gagné. Hein. Oh bah toi, t'arrives voilà. Pas à chaque fois. Mais le GPS, attends, ça ira plus vite. Hein. Oui, bah j'essaie en tout cas de... de, faire ouais, des, okay. De faire des efforts. Ouais, c'est ça. Bah vas-y, on se rejoint à l'hôpital. On se rejoint à l'hôpital ici ou à Ibiza? Bah ici. Sinon on peut aller à Ibiza. 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 Ma nouvelle chanson, j'aime bien. Let's go. Vas-y, à tout de suite. À toutes. Ciao, ciao. Répondre. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, yo, comment ça va? Vous voyez, j'ai un problème de tuyauterie. Je vous appelle pour savoir si vous êtes dispo pour venir réparer. Il y a besoin de déboucher la tuyauterie? Ah, je me suis trompé de numéro, pardon. Ah, elle est barre de rire. Hey, je peux te raconter une blague ou pas? Oh, bah, avec grand plaisir. Ok, c'est une blague zoophile. Ah. C'est l'histoire d'un mec qui prend son élan. Ouais, c'est que ça? Ouais, c'est marrant, non? Ouais, bah elle est pas mal. Ah, merci, c'est plaisir. Je savais que ça te plairait, ça, c'est ton style de blague. Ah, si, elle est bien pensée. C'est subtil, hein? Ouais, Parce qu'on dit blague d'office, on fait oh là là, ça va être craigneux, attention. Ça marche bien. Et alors que pas du tout. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des trucs à vendre en termes de vendage de trucs? Ouais, appelle. Putain, je sais pas comment tu les as dans ton téléphone. L'ancêtre ou le corbeau, ça te dit quelque chose? Le corbeau, je l'ai, ouais. Ouais, bah vas-y, appelle-le, je crois qu'il est debout. Le corbeau. Le corbeau. Le corbeau. Le raven. Exactement. The crow. It's a crow. The crow. Ça va? Sinon, ça va le business et tout, ça va, tout va bien? Bah écoute, au mal au poil. Hein. Ça bosse bien, oui, toujours. Bah tu vois, t'as essayé de m'appeler, j'étais en train de chatouiller ma batte de baseball sur un vendeur d'une boutique. Qu'est-ce que tu branles? Wow. Ah oui, il y a un coiffeur ici. Ouais, moi je braque bien aujourd'hui là. J'ai une petite CP tout à l'heure avec mon quad, je me suis pas fait arrêter, c'était bien. Putain, ce quoi.
code, quoi. Et j'ai bien braqué, hein. J'ai bien braqué aussi. Hein. Vous les rachetez combien, les cercles, vous? Je sais pas, demande... Demande au corbeau. Dac. Oui. Toi, c'est lui qui gère tout, quoi. Non, mais il gère ça. D'accord. Ouais, je vais l'appeler, alors. Les sacs de sup? Ouais. Sac de sup. À 70. Ouais. Ah, c'est normal que je gueule pas, je suis en train de donner des tarifs. Ouais, je comprends. D'accord. D'accord, voilà. D'accord. Ben, merci, Yoli, ça fait plaisir de t'entendre. Bah oui, oui, toujours. On se marre bien, on se marre bien. Eh ben, bon courage, je vais appeler le corbeau, savoir s'il y a des trucs à vendre, le petit corbeau, le corbac. Mais ça roule. Et on se tient au jus. Ça marche. Allez, bon, à toute. Bonne journée, bon courage. Ciao. Mais il est encore là, Dylanou ? Il est encore là, Dylanou ? Comment c'est possible ? Je croyais que t'étais parti depuis longtemps, attends. Non, mais Dylan... Dylan, il a tous les droits, c'est à cause de lui que je fais du RP, je vous rappelle. Il y a deux responsables, c'est lui et mon Audi. C'est lui qui m'a entraîné là-dedans. T'aimes bien le morceau Ibiza ou pas, Dylan ? À Bangkok, on va tous à Bangkok faire la fête, manger des trucs bons et pas cher, et puis c'est bon, miam 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 miam, c'est bon, miam 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 miam, Bangkok, miam miam miam. Après il fait un peu chaud, on va pas sentir, il fait chaud, c'est quand même très très chaud, un peu humide aussi, ça transpire fort du cul là-bas, mais c'est quand même un beau pays, ouais, beau pays, ouais, beau pays, ouais, 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 les plages sont belles, les plages sont belles, les plages sont belles, enfin ça dépend lesquelles, y'en a qui sont dégueulasses, y'en a qui sont dégueu. Y'en a qui sont dégueulasses, qui sont pas très 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 propres. C'est très très touristique, mais on s'amuse bien quand même. À Bangkok, les gens sont très sympas. Hey, Sissi, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je faisais une impro sur Bangkok. Moi, je t'en... Ouais ? T'es déjà là, vas-y, à Bangkok ? Je t'écoute. T'es déjà là à Bangkok ? Non, et toi ? Non, jamais. J'ai des copains qui vont souvent là-bas. À Bangkok. À Bangkok. À Bangkok. Tu vois, ça pourrait être le titre d'un film de cul, ça, à Bangkok. Ah ouais ? Ouais. C'est bizarre, t'es... Bangkok, ouais. Le retour. Et merci pour le sub. T'as fait quoi ce week-end ? Ouais, tu sais, rien de particulier. J'ai squatté. La télé, j'étais un peu fatiguée, tu vois. T'as fait des squats ? Ouais, voilà ! J'ai squatté mon lit. Ah, d'accord. Ta 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 ta. Tu veux que je t'accompagne à l'hôpital ? Vas-y, vas-y. Allez, viens. T'as eu quoi comme bobo ? Il me semble que je me suis claqué la tête. Oula. Comme d'hab. C'est l'histoire de ma vie, tu sais. Et les haltères, ils vont comment ? Les haltères, ils vont comment, les haltères ? Ça va. On va bien. Pas eu de week-end chaudasse avec Jacob ce week-end ? Non, pas du tout. Ah, bah sympa. Ça évolue. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moi, ça va, j'ai passé un week-end tranquille. Et bonjour ! Bonjour, madame. Bonjour, madame. Du front, attendez. Salut Don Roro, merci Amunala pour ton sub, c'est gentil comme tout. Bangkok et les non mais Bangkok, ça peut être un super héros du cul, on est d'accord. Ça doit déjà y exister. Elle a des petites jambes fragiles et délicates. Je ne
mettrai pas en doute ce que vous dites, monsieur. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur ? Elle a une peau sensible. Non, ça va, je suis venu accompagner madame. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée, même. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon courage. Pas mal ça, Ibiza. Pas mal ça, Croquette. Bah, qu'est-ce qu'il a fait ? Ça va ? Bah ouais, tranquille, et toi ? Bah ouais. Regardez ta nouvelle tenue, en analyse. Ah, tu étais en train de scanner ? Tu veux scanner ? Ouais, c'est ça, je suis là à scanner. D'accord. Merci Adelric, Adelric, pour ton prime. T'as fait péter le prime, ça fait plaisir. Je t'ai dit que j'étais toute seule, finalement, il y a personne qui s'est réveillé. Mais j'étais avec toi, du coup, on m'a dit, ah bah, je vais peut-être venir, parce que ça va être 3 quarts d'heure, et voici ça. Le pauvre. Ah non, mais vas-y, va bosser, c'est pas grave. Hein, on peut pas bosser, on peut rester tranquille, en silence, non ? Non, mais c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui vois. Hein. C'est toi la bosse. Hein. J'ai les oreilles un peu bouchées, je sais pas pourquoi. Je sais pas t'expliquer, mais j'entends pas bien. Ah ouais ? Ouais, c'est relou. Ah bah c'est dommage. Bouché, circuit. Ouais, t'es méchant avec moi. Bah je suis pas méchant du tout. Ouais, c'est dommage, je fous ma gueule. Mais parce que j'aime bien moquer de toi, Gigi. Moqueur, ouais, je suis un moqueur. Nanana. Elle a les oreilles boubou. Elle a les oreilles bouchées. Bah sinon, t'es à l'hôpital, va demander qu'on te débouche les oreilles. Eh bien, bonjour, Francis. Salut, Sarah. Salut, ça va ? Hey, salut, ça va ? Bah ouais, ça va, et vous ? La patate, la frite ? Oh ouais, ah ouais, même le menu complet là. Avec, ouais, avec les petites sauces ? Ouais. C'est quoi votre sauce préférée, petit bac de place ? Bonne question. Je pense que ça serait de l'ordre de la mayonnaise ou de la moutarde au miel. Oh, moutarde au miel ? Ah, ça doit être quelque chose ça. Ouais, c'est bon. Sinon, sauce barbecue, ça marche toujours. Moi, je suis plutôt sauce. Ouais, team mayo plutôt que team ketchup, ça c'est clair et net. Par contre, j'adore un truc, moi, c'est la sauce cocktail. Oh oui, ça c'est dingue ça. Oh. Ah ouais, elle est un peu aigre-doux. Non. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire ça, ouais. C'est aigre-doux. Mais parce que je préfère ça, c'est parce qu'il y a un peu de whisky dedans. Alcoolo, hein. Regarde-le, ouais. Lien. Christiane. Faita. Non. C'est pas un alcoolo, j'ai un alcoolphile maintenant. Je raisonne ma consommation. Comment allez-vous avec le docteur là à l'intérieur, s'il te plaît ? Moi, d'accord. Putain, comment tu lui parles ? Dis donc. Il va arrêter de boire depuis des mois, tu sais que. Attends, c'est toi qui dis ça ? Tu te fous de ma gueule ? Ouais, mais moi, j'ai pas. Quoi ? Et alors ? Dès que t'as l'occasion, tu me tournes le dos, tu sniffes la coque là ? Et là, tu lui dis. Parce qu'elle fait des erreurs ! Bah attends, la vache ! Putain, qui se fout de la charité, hein ? C'est un truc de ouf, hein ! Mais. Il me parle tellement mal ! Mais toi, tu lui parles mal, tu lui as dit que Christiane va te faire foutre, va à l'hôpital. Ça se fait pas, enfin, le pauvre Zozo. N'importe quoi ! Si, t'as été mauvaise avec lui, là. Pauvre Christiane. Je l'ai connu, il était tout petit, il était comme ça, là. C'était un petit bébé. Hein. Petit bébé alcoolique. Il avait du whisky dans son bibi. Non, mais... Francis, il fait ça parce qu'il est vraiment... moi, ok, j'ai des addictions, mais ouais. Lui, il faut qu'il... Enfin, bref, je vais pas traiter sa vie, c'est pas à moi de le raconter. Non, mais voilà. Je vais pas savoir sa vie, mais toi, t'as des addictions aussi. Alors, attends, faut être compréhensive. Hein. Mais je suis compréhensive. Tu sniffes encore, toi, ou tu t'es calmé un peu ? Réponse honnête. Non, ça va. Bah non, pas plus que ça. Quelle est la fréquence de sniff ? Bah, je sais pas, parce que je sniff presque jamais, donc je me rappelle pas. Allez, réponse honnête, on a dit... Je suis ton ancien mari, hein. On est toujours en phase de test, hein, je te rappelle. Hein. C'est quand la dernière fois que t'as sniffé, la sniffoulaille ? La raille ? C'est quand t'as raillé ? C'est quand t'as raidé la dernière fois ? Il y avait encore Jean, donc ça date d'il y a au moins 3 jours. D'accord. Ça va, non ?
Oui, ça va, ça va. Tant que c'est pas tous les jours, 10 fois par jour, ça va. Ça coûte cher en plus la coque. J'ai l'impression que tu me redaronnettes là en fait. Mais non, je redaronnette pas, ça me fait rire quand tu lui dis attends, il faut peut-être te faire soigner et tout. Alors que toi, ça consomme. Mais hein. Moi, je me soigne, mais. Dis donc. En plus, là. Après, moi, c'est bien. Si tu te soignes et que t'avances, c'est bien. Ouais, comme toi, j'avance aussi bien que toi. Je sais pas si j'avance, moi. Je suis pas sûr d'avancer. Oh, regardez le petit Jojo. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. J'ai une urgence. Ah, d'accord. J'ai une urgence de type téléphonique. Vas-y. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et je crois qu'il doit passer un coup de téléphone urgent, hein, du coup. Voilà. Tu veux qu'on bouge quelque part? Vas-y, ouais. Attends, je vais mettre ma voiture au parking. Tu me suis? Parking de la plage? Parking de la plage. Ouais. C'est allez, une vas-y. Série, ça? C'est une série télé? Ah ouais? Ouais. Je connais pas. Hein. T'as jamais regardé Parking de la plage? Non. Attends, mais c'est génial. Mais t'es... Rêve solide, je suis sûr, encore. Parking de la plage. Dernièrement, dans Parking de la plage, Julie a trompé Stefano. Parking de la plage. Vous avez jamais regardé Parking de la plage? Y'a que moi qui connais cette série? J'ai vraiment envie de la faire, j'ai envie qu'elle existe. Parking de la plage. Ah, t'as vu les deux. Je sais pas si elle va exister, mais j'ai envie de faire le générique en tout cas. Peut-être parce que j'ai complètement inventé cette série aussi maniaque, c'est pour ça. Vous m'avez vraiment cru, vous êtes fou. J'imagine le producteur. Bon, j'ai une super idée de série. Ça va s'appeler Parking de la plage. Je pense qu'on peut tourner 3 saisons directes. C'est sûr, ça va faire un tabac. C'est vrai qu'ils se sont fait avoir comme des bleus, hein. Parking de la plage. Ambiance. Ouais. 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 Qui c'est la jolie fille sur le parking? J'ai l'impression que je la connais. Un. Beaucoup de charisme. Un. Beaucoup de charisme. Un. Oh là là là, elle irradie de son charisme. Va-t-elle m'irradier? Comme à Tchernobyl. Avec ton charisme, oh là là, il est contagieux. Je me sens aussi charismatique que elle. Oh, je suis Jay-Z, hein. Pourquoi tu ranges pas ta voiture? Je savais plus ce qu'on s'était dit. Est-ce qu'on squattait la plage ou est-ce qu'on repartait à deux avec une seule voiture? Oh, je ne sais pas, moi je te suis, hein. Je m'en fous, hein. Je te suis partout. Okay, qu'importe. Okay. Au diable l'avarice, vive l'aventure. Vas-y, bah poste ta bagnole, on prend ma voiture. Ah bah d'accord. Bah c'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Il y a du monde qui vend ou pas? J'ai vu personne encore, là, je cherche de la drogue. Moi j'aimerais bien choper de la drogue, là, j'en ai plus. Hein. Ah, la bon. Drogue, là. Mais il y a personne qui vend de la drogue, j'ai l'impression que c'est dur à trouver. La coco? Ouais. Attends, j'aimerais bien revenir 2 secondes à la série Parking de la plage, t'as jamais regardé? Bah non. Parking de pas, la plage. Ils font quoi? Ben c'est une série qui tourne autour d'un parking sur une plage. Ouais, il y a... Je te suis, ouais. Ouais. Le nom, le titre l'indique. Comme son titre indique, il y a Didier qui s'occupe des clés, de la maintenance. Julie qui s'occupe des abonnements, des tickets, des remboursements s'il y a des problèmes. Stéphane, c'est le premier consommateur du parking, il vient tous les jours mettre sa voiture. Et là, le dernier épisode, il avait perdu ses clés, c'était incroyable. Le suspense, je te raconte même pas. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais.
des bars. Et à un moment, il y avait le climax là, de la saison 2, le dernier épisode de la saison 2, il y avait la barrière qui était cassée. Malheur, c'était fou. Ils savaient pas comment faire, le parking s'ouvrait plus, c'était un truc de fou. Attends, excuse-moi, j'ai un appel sur mon deuxième téléphone. Plus important que le parking de la plage. Oh la vache! Putain, lui j'ai failli tamponouiller. Parking de la plage. Putain, il faut faire la pochette sur Midjourney, je vais la faire. L'affiche de la série sur Midjourney. J'ai envie que cette série elle existe. C'est le parking de la plage. Précédemment, dans le parking de la plage. Parking de la plage. Ouais, excuse-moi, pardon. Alors, je te propose un truc sympa. Ouais. On va aller braquer la maison de la Mano. Bah non, pas du tout. Ah. Tu veux pas? Je te regarde si tu veux. Hein. Bah non, je veux pas. C'était une blague. Je me doute, je pas attends. Attends. Pas aller braquer la Mano. Attends. C'est dommage qu'on puisse pas faire du malandrinisme ensemble. Là. Moi, ça me manque, tu vois, qu'on fasse des braquages, braquer des cubes, braquer des cœurs tous les deux. Là. C'était cool, hein, quand même. Ça fait chier, hein. Bah, fallait pas partir. Tout ce que je peux te dire. Comment ça, fallait pas partir? Bah, si t'étais pas parti. Peut-être qu'on pourrait toujours braquer ensemble, tu vois. Ça va être ma faute, maintenant. Parking de la plage. Là, j'ai vu sur le magazine télé. T'as une part de responsabilité, quand même. Oui. On peut mener au moins. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Mais ça me rappelle justement le... Moi, je la mène aussi. Ouais, on a chacun notre responsabilité. Mais justement, tu vois, dans le prochain épisode du parking de la plage, il y a Stéphane qui va changer de parking, là. Du coup, ça va tout chambouler les personnages, l'intrigue et ah tout. Ah ouais? Ouais, il va aller sur le parking. Il va faire un nouveau crush et tout, c'est ça? Mais non, il va ouvrir son propre parking. Du coup, il va être en rivalité avec le parking. Ça marche bien? Quoi? Les parkings, ça marche bien? Ah, mais c'est un gros business. Hein. C'est un énorme business, les parkings. Hein. Regarde toutes les voitures qui sont garées, là. Imagine, dans les grandes villes, là, tous les parkings, là, c'est 8 étages, 8 niveaux, là, remplis de voitures, bam! 10 dollars de l'heure, bam! C'est vrai que dans cette ville, je pense que c'est le truc qui rapporte le plus. Ah ouais, attends, les parkings, c'est un business, c'est un gros bis. Je me rappelle quand il y avait les joueurs de foot français, là, les champions du monde, ils avaient gagné. Bah, Zinedine Zidane, il avait investi dans les parkings. Zinedine Zidane. Ouais. Lui, il avait. Zinedine Zidane. Lui, il avait tout investi, enfin pas tout, mais il avait investi une grosse partie de son fric de millionnaire de footballeur dans les parkings, tu vois. Tant de te dire qu'il a fait fructifier. Ah ouais, il a fait fructifier. Ah ouais, ouais. Tu me l'apprends. Oh, ouais. Toi, t'as un puits de savoir quand même, hein. Tu sais plein de trucs à chaque fois. Mais Beyoncé aussi, hein. Attends, Beyoncé, elle détient la moitié des parkings des États-Unis. Tu savais pas? Bah donc il faut que t'investisses dans les parkings vu que toi t'es mieux que Beyoncé. C'est ça. Faut que je m'achète 2-3 parkings pour faire de la moula, tu vas penser à mes vieux jours. Quand je serai papy Douglas. Je roule, je sais pas où je vais. Hein. Ah tu sais pas où tu vas? Non. T'as pas d'idée? Mais je sais pas, j'avais envie de rider, trouver un coin sympa. Ah non mais je sais ce qu'on peut faire. Alors je sais ce qu'on peut faire Gigi. Gigi la fripouille. Quoi? On peut trouver un coin sympa pour faire une rave. Parce que je veux faire une rave, moi, la semaine prochaine. Ah, ok. Un endroit cool. Faire une rave. Alors... Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Il y a une cascade, tu sais, pas loin, sur cette route-là, tout le long. Oui.
Parce qu'on m'avait conseillé un spot, mais je m'en rappelle plus. On t'a conseillé quoi ? On m'avait conseillé un spot pas très loin d'ici. C'était une fille très sympa d'ailleurs. Elle m'aimait bien. Elle m'avait dit, oh, si tu veux faire des raves là-bas, c'est cool. Et c'était... je m'en rappelle plus. Je me demande si c'était pas au-dessus de Stab City. Moi, je sais pas. En tout cas, il faut qu'on trouve un endroit sympa. Moi, je veux bien aller voir la cascade. Tu peux mettre un point, s'il te plaît ? Ouais, c'est... Alors, c'est dans les marais, là, derrière. Mais je sais plus où exactement, mais... Ah, une fois, on est à... tour, alors. On aurait dû peut-être... Ouais, si ta voiture, elle va dans la terre, parce que... Oui, j'ai des pneus off-road. Tu fais des CP avec ta voiture ? J'ai essayé une fois, je me suis fait gauler. Oh, merde. Non, par contre, aujourd'hui, j'ai fait des braquages avec mon quad, encore. Et j'ai eu une CP et j'ai gagné la CP. Sans faire d'off-road. Cool. Sans faire d'off-road. T'étais content ? Ouais, j'ai juste pris des petites rues, des petites routes et tout. C'est pas si nickel. Là, c'était cool. Hein. Tu sais ce qu'il faut faire, hein ? Il faut juste que ce soit eux qui fassent les erreurs, en fait. Attends. Ouais. Ouais, si tu as des en bas. Voilà, ils ont fait un max d'erreurs. Hein. Attends, ils ont pas inventé l'eau chaude, hein, les flics. Hein. Ils sont bêtes un peu. Ouais, ça dépend lesquels, il y en a qui sont super forts, tu vois. Tu sais ce qui est plus bête qu'un flic ? Deux flics ? Exactement. Ah, oh, putain, mais c'est quand on était venu là que j'étais tombé du pont, tu te rappelles ? C'était okay. Pas à ce pont-là, mais c'était ouais, un autre j'étais pont. J'étais pas mais... tombé, j'avais sauté, je voulais faire la bombe, mais j'étais un peu trop, je t'ai fait mal. Hein, bah ouais. Je me rappelle, c'est quand tu m'as dit que tu partais. Oui. C'est pas un très bon souvenir. Bah... Ouais, c'est vrai. Mais t'avais un joli maillot de bain, jour-là. On est revenu. Ouais, je suis revenu. Du coup, faut voir. Alors, vas-y, on va marcher le long, là, enfin, rouler, et on va voir... Il y a un endroit vraiment super joli avec une cascade et tout. Oui. On peut mettre... On peut tasser, on peut danser. Je pense. Faut après, que... tu sais, il y avait le mont Gordo aussi, mais c'est difficile d'accès. Ah. Tu sais, on était allé avec le lac, là. Oh putain, non, non, ça c'est trop dur d'accès, faut que les gens... Ah, ouais. Il faut pas que ce soit trop loin de la route non plus, mais pas trop près non plus. Ouais. Même bon, si on marche... Ça va. Vas-y, continue de rouler. Ah, tu voudrais un truc où il y a un garage là ? Non, c'est un peu sauvage. C'est un peu sauvage. Ouais, un peu sauvage. Ouais. Là, il y a pas trop d'espace là pour l'instant. Mais non, mais en plus, c'est quoi à côté ? Il y a une usine là, c'est quoi qui est à côté là ? Mais c'est non, la prison. Continue. C'est quoi à côté ? Je sais plus où c'est. Oula. Non, je crois qu'on l'a passé en fait. J'ai glissé. On va aller de l'autre côté de la rue. De la. Ta 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 ta. Non, moi j'ai plus envie que ce soit une rêve de montagne. C'est quoi qui est à côté là ? C'est la prison ? Ouais. Bon, on va pas faire la rêve à côté de la prison, ça n'a aucun sens. Mais non, mais on va faire de l'autre côté. De l'autre côté de la rive. Non, c'est trop près des gens, je pense. Bon, ok, alors. Un truc sauvage. Ok. Sauvage. Ah bah ici, putain, mais je me suis trompée en plus, c'est là-bas où c'est plus sauvage. Oh. Vas-y. C'est pas grave. C'est pas, tu sais que je suis... Mon sens de l'orientation est nul. Je sais, mais c'est pas grave, je t'adore. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est bien ici, là ? Attends, on peut voir un peu la playa ? Ça dit quoi la playa, là ? Ouais, ça campe, ça campouille. Ouais, oh, ça va, non? Ouais. Bah, c'est un peu trop près de la prison. Hein. Si on fait du bruit, ils vont venir après. Hein. Les matons. Les matons vont nous casser les couilles. Hein. Ta ceinture? Ouais. Je sens faire du rallye, là. Si on faisait une deuxième lune de miel, t'aimerais aller où? Plutôt que Paris, comme la dernière fois. Pourquoi on ferait une deuxième lune de miel ? Bah, je sais pas, si le test il est concluant et que on décide de se remettre ensemble. Mais si le test est concluant, on est pas obligé de se marier. Mais on fait une lune de miel sans se marier, on part en voyage, ah, on s'amuse, on se tape ouais. Des délires. Ok. D'accord. Où est-ce que j'aimerais aller ? Oui. Je sais pas, t'aimerais faire quoi toi comme pays ? Parce que moi j'ai tout à découvrir, j'avoue. Ouais, c'est sûr, là. J'ai rien fait comme pays dans ma vie, à part la France avec toi, du coup. Ah non, c'est bon, je suis resté là. Bah, il y en a plein, il y a le choix. On parlait de Bangkok tout à l'heure. Il y a pas une destination qui te fait rêver, peut-être.
j'aime bien aussi à la plage, comme ça je peux me baigner si l'eau elle est bleue. T'aimes bien te baigner toi hein. Ouais, j'aime trop. Baigner. Tu te poses les dents. Ouais. Moi je pense que j'aimerais bien aller 4-5 jours à Ibiza. let's go à Ibiza. Plus ensemble, on mange des pizzas, des croquettes. On prend quoi, de la MDMA? Oui, non, pas trop de drogue. Franchement, Ibiza, ça doit être trop bien. Pour faire la fête, ouais. Après, je sais pas, mais... C'est vrai que c'est mieux pour faire la fiesta. Fiesta, ça rime avec Ibiza. On fait la fiesta. Ça, je vais le noter sur mon petit calepin à rime tout de suite. Mais non, il faut un truc... un peu plus chill. Parce que si on y va pour se droguer tout ça, non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est cette bagnole, là? Qu'est-ce que tu fous là, cette voiture? Bah, je sais pas, il y a des gens qui doivent traîner, tu vois. C'est suspicieux, hein. Vas-y, avance un peu. Suspicieux, hein. Attends. Peut-être des flics. C'est des flics. Non, mais c'est pas des flics. Des flics qui sont planqués. Ils observent. Salut, Pierre, comment vas-tu? Carlito. Ça va, chouette Francis? Ouais, Christine était au téléphone. Je crois qu'il était au téléphone sur son deuxième téléphone. Celui dont on n'a pas le numéro. Je sais qu'il aime bien séparer sa vie privée et sa vie professionnelle. Du coup, là-bas, pour l'instant, je fais un petit tour. Bon, je pensais que j'étais toute seule, donc je me suis barrée. Merde. Je te ramène si tu veux. Attends. Attends, quoi? Ah, ok, je comprenais rien avec les bébés phoques. Tu m'as perdu, mais c'est bon, je comprends. Ok, pas de bébés phoques, ok. Pas de soucis. Ok. De toute façon, on va pas acheter des tickets pour les bébés phoques toutes les semaines non plus. D'accord. Oh, ok, ça marche. Ok. Oula. Je reste encore là. Ouh. Merde. Oh putain. Ça va? Ouais, ça va. Ok, bah on se voit après alors. Merci. Oh la vache. À toute calme, bisous. Attention à toi. Oh, j'allais un peu vite dans le virage, pardon. Ça va? T'étais bien accroché? Ouais, heureusement. Hein. Ouais, moi aussi. Heureusement. Oh, donc regarde, attends. Il y a des cascades là, t'as vu, c'est mignon. Vas-y, continue. Putain, continue. C'est beau, ouais. On dirait le sud de la France. Tu vois, il y a de la plage. Roquestéron. Mais vas-y, continue un peu. Putain, c'est beau. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais allé au sud de la France, les gorges du Verdon, tout ça, là, c'est beau. Là, là-bas, il y a des grosses vagues, des grosses cascades. Des grosses quoi? Cascades. Il y a des grosses voitures de police aussi. Là, en face. Là, là-bas. Waouh. Ah mais c'est, il faut beau, qu'on... c'est beau, c'est très beau, c'est très romantique, merci Gigi. Ah mais attends. Regarde. Mais ça. Non, oh non, mais il y a des rangs. Mais ouais, mais faut trouver un endroit où on peut danser. Bah, mais vas-y, on va voir. Mais il y aura de là. On va de quoi danser. En plus, l'eau elle est pas haute donc. Ah, j'irais bien me baigner dans la cascade. On ira juste après si tu veux. Il fait chaud hein. Ouais, mais par contre, s'il y a les Rangers qui patrouillent, ça fait chier. Hein. Bah, ils viendront avec nous. Regarde, là, il y a de la place pour se mettre. En plus, là-bas, l'eau, elle est au pied et tout. Tu peux te mettre dans l'eau. Vas-y. Attends. Descends vite fait. Tu veux faire la rêve ici? Pied à terre, on va voir. Pied à terre. Putain, le pont de la cerise, sans déconner. Tu connais ça, Gawel? J'allais y camper quand j'étais petit, j'allais me baigner là-bas. Je restais genre 3-4 jours. Incroyable. Pont de la cerise, je suis pas allé depuis longtemps. Pas haut du tout. J'y allais tout le temps quand t'as j'étais petit. T'as fait une poule partielle, on est tous dans l'eau. T'aimes pas? Ah si, j'aime bien. Attends, je me déshabille, je vais nager. J'ai envie de nager sous la cascade pour faire comme dans la pub Timothée Douche. Ou au bas haut, je sais plus. Mais question sécurité, ça, les gens, ils vont, ça craint, non? Ah, t'as peur qu'ils se noient? Bah ouais.
Ah, c'est une rave, hein. C'est un pas de combat, c'est pas marrant. Regarde ici, il y a de la place aussi pour danser. Oh là là, regarde. Bah ouais. Salut bébé, t'avais soif toi, hein? Oh, il avait soif. T'as vu? Il avait soif le bébé, hein. Tu vois, ici c'est bien. Il y a de la place. Il sent fort, hein. Ça pue, oh, la vache. Ça pue ces bestioles, hein. Là c'est bien. Là c'est vrai que c'est. On peut faire une petite rave là. Hein. Ouais, on peut mettre les petits camions et tout. Attends, va chercher ta voiture peut-être. Pourquoi faire? Sinon elle est peut-être. Elle est pas trop loin, ta voiture. Elle est pas trop quoi? Trop loin. Non, ça va. T'es sûr? Ouais. Ok. Oh, j'ai trop envie d'aller dans la cascade là. C'est toi qui as fait ce bruit? Non, c'est un oiseau qui a plongé. Tu vois, non mais là il y a plein de place. Franchement, c'est trop bien comme endroit. Il y a un oiseau qui a plongé dans l'eau, c'était hilarant. Ah ouais? Ouais. Ok, il y a un corbeau là. Hé, hey, petit corbeau! Bon, il s'en fout, hein. Il n'a pas bougé. Allez, viens! Ok. Oh, il y a trop de courant, il y a trop de courant. Gigi? Elle est où? Ouais. Oh putain, elle m'a fait peur. Gigi, t'es où? Ah. Voilà. Il y a trop de courant. Ouais, mais je me suis... J'ai un peu fait mal. J'ai un peu la tasse, genre, vraiment. Fais ouais, attention. Moi aussi, fais attention. Ah, toi aussi? Ouais. Pas? Ouais, j'ai trop envie d'aller sur ce rocher, là. Waouh! Putain, regarde le courant qu'il y a là! Ça donne envie d'aller de l'autre côté et de le descendre, ouais! J'adore! On pourrait faire du canyoning, hein, on plonge et puis on se laisse dériver. Hein. Ça va ouais. Peut-être se faire mal. On met un casque au pire! On met un casque, hein, un casque de moto et let's go! Hein. Ouais! Tiens, vas-y, je vais essayer là! Faire le tour? Non, faut faire le tour. Ouais, attends, mais j'essaye déjà là pour voir si ça si c'est bon. Ok, canyoning! Ouais, c'est bon! Regarde, je résiste au courant. C'est un échec. Ah, ah, ah! Ah! Ouais, t'es encore là, toi. Quoi? Ça va ou pas? Oui. Ah bah super. Mais je vais péter sur l'oiseau. Attends, viens, on essaie de monter. C'est parti pour le canyoning. Parking de la plage. Tu veux que je te prête les DVD du parking de la plage? Ouais, vas-y si tu veux. Oh, tu vas kiffer, hein. Je crois que c'est bien. Oh. Ouais, tu vas être accro. Hein. C'est qualitatif comme série. Même si c'est beau aussi, hein. Attends, mais parce que si on fait la grosse cascade, on va se faire mal, non? La grosse, ouais, hein, je pense. Ouais, il faut prendre un petit peu de marge. Vas-y, viens. Allô? Tu fais quoi, là?
Bah je vais descendre la cascade. Je vais descendre la cascade. T'as pas besoin de, d'aller aussi loin, si ? Mais si, parce que moi je veux pas faire la grosse cascade, parce que la grosse cascade on va se faire mal. Je fais la petite ? Je fais la petite à droite là. Bah oui, mais tu peux en nageant tu vas facilement. Oh, y'a du courant, y'a du courant, Gigi, attention, tu vas te faire aspirer. Elle est où ? Et voilà, il s'est fait aspirer. Ah non, c'est bon. Il y a du courant quand même, hein. Pas facile de nager avec un casque. Ok. Gigi ! Mais elle est où ? Je t'ai pas vu. Oh putain, tu m'as fait peur. Vas-y, mets ton casque. Et c'est parti on pour le... On boit un coup ou pas ? Comment ça ? On boit un petit verre. Petit verre d'alcool. T'es canyoning bourré, toi, j'adore. Toujours. Let's go. Vas-y, hop. C'est marrant, ça. Tu bois pas ? Ah, si. J'ai le temps de boire trois verres, t'as rien vu encore. Ah, pas te dire quand t'as un beau il va. Gna. Attends, il me reste de la tequila aussi, tiens, let's go. Voilà, comme ça, on sera pas mal. Si on est un peu bourré. Ok. C'est parti pour le canyoning. À 3, on y va, d'accord ? Ouais, mais j'ai peur. On y va en même temps ? Ouais. Ok, vas-y. 3, 2, 1, canyoning ! Ouais, lève les mains ! Oula. Aïe. Aïe. Allez, rocher. Aïe. Aou. 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 Nickel, c'était trop bien, je me suis un peu fait mal. Ouais, je me suis tapé les genoux au fond, moi. Et raflé. Je me suis raflé aussi, hein. Mais c'était marrant. Comment ? Tu t'es raflé beaucoup ou ça va ? Je sais pas, faudra que tu me mettes un pansement. Et toi, t'en as un ? Parce que moi, j'en ai qu'un. Ouais. Ah, nickel. C'était bien, hein. Bouge pas. Tu bouges pas. Oh, il y a des griffures partout, hein. Ouais, ouais, ça je me suis bien éraflé. C'était marrant, je m'attendais à tuer. Mais c'était marrant, franchement, c'était marrant. Ouais. Bien kiffé, hein. Je pense qu'heureusement qu'on avait notre casque, par contre. Ouais. Vas-y, je vais t'en mettre un aussi. Merci. Ah oui, t'as été bien raflé aussi, hein. Et rafleuse. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on pourrait faire une activité canyoning. Faire une boîte de canyoning. Personne ne le fait. Hein. On vole des types, tu vois. Ouais, putain. Bah ouais, tu en voles, je les mets là. Je pense que si on monte par là-bas, il y en a qu'au bout on trouve des jet skis là. Attends qu'on refasse toute la descente en jet ski. Bon, ce serait trop bien. Oh la vache, tu veux pas qu'on le fasse ? Vas-y, let's go. On part du lac, on essaie d'aller jusqu'à la mer. Bah tu peux, hein, au bout de la route, c'est la mer de toute façon. Oh, mais j'ai jamais fait moi. Bah vas-y, on va aller voir de toute façon, au bout il doit avoir des... Quand j'étais petit avec mes frères, on avait fait ça, on avait remonté la rivière du village, là, laisse tomber. Ah ouais ? Oh ouais, la Gardonnette. On avait remonté la Gardonnette. Ah ouais ? Ouais, ouais, toute la journée. T'es rentré le soir, mais j'étais petit en plus, j'avais 9 ans. T'es rentré tout boueux et tout, on s'est fait engueuler par nos parents. Ah bah ouais, normal. Mais t'as pas d'essence ? Si, ça va. Ouais, mais pas fou. La Gardonnette. Non, de l'autre côté, tu penses qu'il y en aurait. Je pense pas qu'il y en a dans le lac de Sandy, tu crois des. Mais j'en sais rien, c'est toi qui. C'est ton idée. Non, parce que moi j'aurais pensé par là-bas, tu sais, de l'autre côté. Non, mais là il faut qu'on descende par là, c'est trop bien. Un peu. Mais ça c'est. Attends. Ah si, c'est le grand lac là, il y a des jet skis, non ? Enfin, je crois.
Oula. Oula vache. T'as mis ta ceinture. Ouais. Et du coup, on mettra la voiture au parking, comment on fait? Bah ouais, sûrement, il doit avoir ce pot. Ah, ici, c'est le lac. Ah, regarde là-bas, il y a un pont-pont, il y a peut-être des bateaux. Ah, mais t'es pas dans le bon sens. Ouais, mais il faut que j'aille. Il faut que je mette de l'essence d'abord. Ok. Puis l'essence là. Ok. Ouais. Il y a de l'essence pas loin là. Na 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 na. Ils sont toujours là les loges, ou ils ont changé? Non, je crois qu'ils sont toujours là. Ah, c'est où l'essence la plus proche là? Celui-là, à droite. Ah, c'est là-bas. Oh, c'est bon, j'en reste. Let's go! Tu vois où c'est? Ouais. Au fait, t'as pas des infos sur le cambriolage de maison par hasard? Des quoi? Des infos sur le cambriolage de maison. Mais, c'est-à-dire? Est-ce que tu sais comment on fait et tout? Bah non, moi je sais pas, j'ai jamais fait. Ah ok, bah moi non plus. Putain, ça va être délire ça. On va chez les gens, on les braque. Bah je sais pas comment ça marche. Bah je présume que c'est ça, hein. C'est la base d'un cambriolage. Attention. Attention. T'inquiète, tu vois. Toi, t'es chaud dans ta vie, toi t'as confiance. T'as une confiance. Bah tu me connais, hein. On va avoir ta confiance, putain. Bah attends, tu me connais, hein. Putain. Qui c'est qui veut des grosses coronettes? J'en ai assez pour tout le monde, hein. J'en ai 4 paires, hein. Tu dis vraiment des bêtises, Francis. Ta-ta-ta-ta-ta. Attends, y'a quelqu'un qui m'appelle. Qui m'appelle? Oh, Zastekas. Ah ouais, faut que j'aille blanchir après. Ta-di-da-di-ta-ti-ta-ti-ta-ta. J'ai 4 paires de coronets. Qui c'est qui en veut une paire en rab? Malheur, j'ai vu une vidéo sur internet. Oh, faut que je te raconte, Didier. Vas-y, raconte. J'ai vu une vidéo. C'est marrant de conduire en slip. On n'est pas assez souvent en slip, je trouve. C'est vrai, ça. C'est chiant de devoir toujours s'habiller. Ouais, moi, je pourrais vivre en slip toute la journée, moi. Attends, du coup, on va où? Plutôt le côté du lac, non? C'était où ton point, toi? C'est où ton point, toi? Ah, mais non! C'était au bout de la... Ah, mais on va pas remonter, faut qu'on descende du lac. On descend jusqu'à la mer. Bah, la mer, c'est là-bas, hein, Francis? Ouais, mais il faut qu'on commence du lac et on descend jusqu'à la mer, dans la rivière. Bah, voilà, on reprend la route en sens inverse, quoi. Ouais. Voilà, ouais, c'est cool. Ouais. C'est l'aventure. Hein. Bull Steph. Et toi, sinon, tu racontes quoi? Mon père habitait à Gardonne, il avait la pizzeria à Gardonne. Tu vis en pleine. Je viens de là-bas aussi, mais non. Gardonne en Dordogne. Hein. T'intéresses, quelqu'un de cool? Quoi? T'as trouvé un duo cool? Comment c'est un duo cool? Avec qui travailler? Bah, avec qui travailler? Non, pas vraiment. J'ai des gars. Là, j'ai braqué tout seul. Franchement, ça se passait bien. Attends, c'est pas la bonne route, là. Si, c'est bon. Incroyable. Donc, tu connaissais la pizzeria? Mais non. T'as quel âge, Gustave? T'es plus là-bas, maintenant. Putain, on a quasi le même âge en plus. Mais attends, c'est un truc de ouf. Tu étais à quelle période? C'est la police. Moi, j'ai vraiment passé mon adolescence là-bas. Hein. Pendant 20 ans, il avait de la pizzeria, mon père. Et si je suis toujours à côté? T'es toujours dans la région? Truc de ouf. Oula! La vache, il allait vite, lui, hein. De fou! Non, moi je vivais à Nice, mais je venais tout le temps pour les vacances en Dordogne.
mais genre tout le temps. Attends, mais on va où là? C'était pas... C'est pas là le ponton? Avance, traîne pas près de... du quartier. Va tout droit et on va y arriver. Moi, ce que j'aime, c'est faire du jet ski. Du jet ski tout nu. Il y a une moto qui nous suit. Avance. Moi, sinon, je leur dis que c'est moi. Non, mais avance. Ils sont là, ils sont derrière. Je sais pas. Je vois quelqu'un. Mais non, c'est bon. T'as ton pétard? Si jamais il y a la bagarre, t'as ton pétard? Pétard de la bagarre? Bah, tu peux pas le rater, mon père. C'était un gros monsieur barbu. Avec un gros ventre et avec un sticker 10 minutes à perdre sur le four à pizza. C'est toi aussi, tu ralentis devant leur quartier, c'est normal. Ouais, bah ça va, on peut ralentir, non? On n'est pas des foufous. Si on roule trop vite, on se fait engueuler. Si on ralentit, on se fait engueuler. Attends. Le quad de merde. Ah, lui il avait un quad de merde. Il est mieux le mien. On va où là? Bah, on va où on était tout à l'heure. Mais non, mais on avait dit qu'on voulait remonter le lac. Trouver un jet ski au lac. T'es en train de remonter le lac là. Ils nous suivent encore les motos? Non, c'est bon. Il faut qu'on trouve un petit ponton au niveau du lac. On chope un jet ski. Et ciao ciao! Ah là-dessus, on voit pas, mais je crois qu'il y avait un ponton. On va essayer de voir. Mais t'es toujours en Dordogne, Bulstef? T'es toujours vers Gardonne, ben, 5 fois? À droite, ouais. Vas-y. Là, regarde. À droite où? À droite. Là? Oh la vache! Ouais, regarde. Attends, il a vite lui. Connard. Attends, mais on y va en bateau ou on y... Oh putain, c'est là où je m'étais fait braquer. Comment on descend là-bas? Regarde, reviens, il y avait une... Ah, tu veux pas y aller? Bah si, mais on peut pas descendre au bord de mer. Ah si, il y avait... Ah bah regarde là-bas, il y a un bateau aussi. Où ça? Tout seul, là derrière. D'accord. Mais il faut aller mettre la voiture au parking, hein. Parce qu'on n'arrivera pas à remonter, hein. Si on descend les cascades et tout, on va pas remonter. Le... Oh, 1000 balles! Mais d'où y'a un radar ici? Mais y'a un radar, il est caché où le radar? Je vois même pas où il est. Oh putain, il est là-bas. Il est là-bas! Mais quel bâtard! N'importe quoi, on met des radars dans la montagne maintenant. Putain. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un qui vole le bateau et il rejoint l'autre, tu sais, de l'autre côté du lac où on peut mettre la voiture. C'est ça, ben vas-y, mais prends le bateau, toi. Ouais, ça marche. Il était où, là? C'était où? C'était plus loin? Un peu plus haut. Oh. Ouais, je le vois plus. Moi non plus. Attends, je tape des barres aujourd'hui, hein. C'est l'aventure, hein. Into the wild. C'est bien, non? Ouais, j'adore. Là, il y a le bateau, regarde. Où? À droite, là. Into the wild. Ah, ouais. On va voir si j'arrive à le voler, hein. Vas-y, je t'attends là, le temps que tu le voles. Je t'attends, au cas où. Eh ben, figure-toi que c'est... celle qui bossait avec donc la deuxième femme de mon papa, Cathy, qui était la patronne de la pizzeria, qui a embauché une pizzaiola, Karine, qui a récupéré la pizzeria après. Maintenant, c'est la pizzeria de Karine. Et oui, elles sont bonnes, ces pizzas, au feu de bois et tout. Miam, miam. Ça marche pas? Non. Et pourtant, quand on a fait la soirée du refuge. On n'a pas été payé d'ailleurs. Ouais, moi non plus, j'ai pas été payé. Bah ouais, c'est pour ça, je disais qu'on n'a pas été payé. C'est parce qu'en fait, Giovanni demandait combien de temps on avait fait de prestations pour nous payer à la minute en fait. D'accord. Moi, j'ai joué 2 heures, je crois. Non, pas du tout.
Ouais, il y avait les petits jeunes qui étaient là, ils étaient marrants là. Ils ont piqué un bateau, je suis allé avec eux faire un tour. Attends, il y a Karl qui m'appelle. Allô ? Ta 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 ta. Quoi ? Vous avez besoin de moi ? Ok, bah je vais venir. Oh, merde. Je vais chercher ma voiture. Oh putain, faut qu'on rentre dans le sud. Ah, attends. Ah bah non, mais attends, mais moi je suis pas loin en fait. Je vais demander à... Bah, je te dépose. Je vais me déposer. Ouais, puis j'irai chercher ma voiture plus tard. Je suis à Sandy Shore. Ça va être dans le sud, à la plage. Vas-y, mets-moi un point. Ouais, ça marche. A tout de suite. Bon, ben on fera l'aventure du bateau une autre fois, c'est pas grave. Hein. Bah après, tout à l'heure, c'était pas... Tu vas te coucher à quelle heure ? Dans une heure. Dans une heure, ah ok. Ah, cette semaine, tu seras disponible. Pardon ? Cette semaine ? Oui, je suis là, ouais. Ouais, bah comme ça, voilà, j'essaierai de prendre un kit de crochetage aussi, comme ça, ce sera plus simple. Ouais, comme ça, t'en as un, et puis basta. Basta cosy. Qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que t'en penses de notre test pour l'instant, toi? Tu penses que c'est concluant? T'es contente? T'es épanouie? Pour l'instant, ça se passe bien, ouais. T'aimes bien? T'es heureuse? Et toi? Ouais. Bah ouais. Ça dépend des jours, mais ouais. D'accord. Putain, je t'ai pas dit ce et matin. Ce matin, je me suis réveillé, il y avait une femme dans la maison. Ah bon? Ouais. Comment ça? Une copine de Giovanni. C'est... Ah d'accord. Ouais. Bah à gauche. Elle m'avait... Ah ouais. Pose-moi là. Mais ouais. En fait, je me rappelais plus de son prénom. Stop. Quoi, je te laisse là? Ouais. Vas-y, explique. Ouais. Et c'était... c'est marrant parce que je vais dans la cuisine, tranquille, tout, tout, tout. J'étais comme ça, j'étais dans ma bulle, quoi. Et je tombe sur elle, nez à nez. Je fais, bonjour, vous êtes perdu? Elle me dit, non, j'ai dormi là. Parce que hier soir, j'étais avec Giovanni et tout. Oh, putain! Mais je crois pas qu'ils sont en couple, hein. C'est juste qu'ils ont fait des bails de potes et puis elle a dormi là, quoi. D'accord. Marrant, non? Bah, après, il fait ce qu'il veut, hein. Ouais, mais c'était chouette. Moi, j'étais content, je me suis dit, attends... Ouais, c'est sa copine. Il ramène sa petite copine. Mais non, je crois pas, je crois qu'ils sont juste potes, en fait. Ok. Mais c'est celle qui bosse au Weasel qui m'a interviewé, mais je me rappelle plus de son prénom. Tu te rappelles pas, toi? Oh, bah, il y en a plein. Bah, je sais pas, j'étais pas là, je crois. Ah, merde. C'était marrant, hein. J'étais étonné, hein. Je suis tombé sur elle. Ouais, j'avoue, t'as dû faire bizarre. Ouais. Ah. Ils viennent te chercher, mais du coup? Non, mais je vais leur dire. Giovanni, il était pas là? Bah non, il était pas là. Ah ok, mais du coup, t'as dû lui faire la conversation du matin, genre, bonjour, ça va? Exactement. Alors qu'on se connaissait pas, enfin, elle m'avait interviewé, mais moi, je t'avoue, je l'avais pas trop reconnu. Si, mais c'est qui cette meuf, là, dans l'appart? Ah, parce qu'elle se rappelait de toi. Bah oui, elle m'avait interviewé. Mais moi, je suis une star, les gens ils se rappellent de moi. Non, ça c'est sûr qu'on m'a oublié, attends. Oublié Francis. Tu veux pas que je t'amène chez vous, là? Bah, j'ai dit que j'étais au bout de la rue. Maman. Non, on n'est pas loin, hein. Je peux t'amener, hein. Non, parce que maman, la limite, c'est là. Ah, je pense, je peux. Mais vas-y, t'inquiète, je vais y aller à pied. Mais non, mais je peux t'amener, c'est juste là. Non, c'est bon. Mais tu vas pas y aller à pied. Mais si, t'inquiète, ils vont venir me chercher. Soit... Par contre... Ah, bah non, faut que je me change. Pas en couleur. Bisous. C'était cool de te voir. Ouais, bisous. Bah si, tu m'envoies des messages si tu veux. Ça marche. Je vais répondre aux messages. À toute. A plus tard. Bisous. Bisous. Ouais, Jason. Ouais, c'est ça va avec toi? Ouais, c'est bon. Ça se passe le travail et tout? Ouais. Bah justement, j'ai de quoi blanchir, là. Ouais, tu veux nous ramener des trucs? Ouais. Comment ça? 300. Aujourd'hui. Ouais, si c'est possible. Aujourd'hui ou demain, quoi. Je pense qu'on peut faire ça aujourd'hui. Ouais. Attends, je dis quoi, ça? Tu m'as dit 300 quoi? 300 sacs. 6 sacs.
Des sacs ou des liasses? Des sacs. Hein. Des petits sacs, 300 petits sacs. Ouais, t'as déjà des liasses, j'ai compris. Boisson. Ouais. Ok, vas-y, je te note ça. Et je te redis pour le moment où tu me ramènes, ok? Ouais. Moi, je suis encore là. Je suis encore là une heure, moi. Ok, j'ai une autre question. Oui. Dis-le mercredi après ou pas? Non. Putain. Pourquoi? Bah, tant pis, hein. Mais pourquoi, il y a quoi mercredi après? J'aurais dû participer à un défi pour gagner des meilleurs tarots et tout. Ah merde, c'est que mercredi? Bah, c'est soit mercredi après, soit dans longtemps. Fais chier, putain, c'est le seul jour où je suis pas là. T'imagines? C'est à la fin du mois, tu vois, un truc comme ça aussi. Je suis là lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais je suis juste pas là mercredi. Putain. Ouais, c'est con. Ouais, c'est con. Ouais. Ouais, mais c'est trop tôt pour que ce soit demain, donc c'est chaud. Ouais. Je le dis trop tard. Ouais, bah c'est pas grave, écoute, je ferai le prochain. Hein. Vas-y, bah je te rappelle pour quand tu peux nous ramener des trucs. Et j'ai toujours le même tarif à 90, c'est bon? Ouais, ouais, ça va bouger ça. Ouais, nickel, super. Super, et bah à tout à l'heure. Vas-y. Merci, hein. Ciao, ciao. sacs, ça va faire un peu de moula là. Hein. Non. Je suis voisin avec Bullstep, c'est trop marrant. Mais c'est pas toi qui stream aussi, Bullstep? Ou je confonds? Go! Ça fait un an et demi à peu près, maigri. Un an et demi? Putain, je sais plus quand j'ai commencé. Deux ans? Un an et demi? Un an et demi. Bah, je sais plus quand j'ai commencé en fait. C'est pas en avril? C'est Nico qui avait la date. Nico, il connaissait la date. Je crois que c'était en avril de l'année dernière. Bah, ben non, ça ferait que un an. Non, mais si, c'est ça. C'était en avril de l'année dernière, je crois. Ça t'a saoulé YouTube. Oh, ça fait longtemps que je fais plus de vidéos sur YouTube. Mars, avril 2022, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Salut, Puriti Passu, comment ça va? Allez, let's go! Ah, Ibiza. On va où ce soir? On va à Ibiza. Ibiza. Failli tamponner le mec en moto, fort. Comment il va le salty? Petit zozo là. La rave. Petit zozo, grand gaillard. Ça va bien. Oh, le contrat de Francis. Attends, c'était toi au vignoble? On en avait parlé déjà la dernière fois. Ah, Paul, mais oui, putain. Barre de rire. T'avais bien rigolé, toi, t'avais fait un gros fou rire, c'était trop marrant. Putain. Avec les deux camions explosés. Je comprenais rien aux commandes et tout. Je venais juste d'arriver, franchement.
Juste ça, mettre une voiture au parking et tout. J'étais incapable de le faire. C'était culte, hein, les débuts. Les débuts au vignoble avec Paul, c'était génial. Mais tu joues encore ou t'as arrêté? Ah ouais, ça fait un moment, putain. Et t'as pas envie de revenir. Allô? Ouais, salut. Salut, ça va, Francis? Ouais, ça va. C'était pour savoir si vous aviez des trucs à vendre. Ouais. Vous avez quoi à vendre? La coco. Ah, la coco, c'est bon ça, la coco. T'aimes bien, t'as des gâteaux à faire? Les gâteaux, j'ai plein de gâteaux à la coco à faire. Ça marche, ouais, je peux te donner de la coco, ouais, t'es dispo là. Faut que je refasse les lignes blanches sur mon parking là, j'en ai plein, 3-4 à faire. Ah bon, tu refais des lignes blanches? Ouais, faut faire des lignes blanches là. Ouais, ça, il va falloir une grosse quantité là. Ouais. Tu peux m'en filer combien, m'en vendre combien? Là, 50. 50? Ouais, je t'en fais 50. Ah ouais, let's go. On est bon? Ouais, mais grave. Nickel, t'as des trucs en plus, des petites liasses, des sacs. J'ai peut-être un deux. Non. Attends, si tu veux, je peux te rappeler dans 5 minutes. Ouais, j'ai quelques trucs à vendre. Ouais. Je peux te dire. Ok, ça marche. Je te rappelle dans 5 minutes. Vas-y, je te dis. À toutes. À toutes. Je vais leur vendre le rab. Je regarde Francis. Oh merde, je suis pas muté. Putain, quand il s'était fait virer, Francis, il avait piqué plein d'alcool dans le frigo du vignoble. Et ça, pour lui, c'était très très guinguin. Ah, c'est cool. Mais tu suis d'autres joueurs, j'imagine, aussi. C'est pas évident de faire du RP vignoble, hein, parce que c'est du taf. C'est sûr que c'est moins excitant que faire des braquages. Après, c'est toute une orga. Un peu les deux, je pense. Mais je repense à la meuf qui était là, c'est marrant, ça fait des vraies scènes de vie, quoi. De tomber sur la copine d'un pote dans la cuisine. C'est cool. Ah bah Irina, Vito, c'était cool. Irina, on rigolait bien. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a un peu montré la crimi, quoi. On rigolait bien avec Irina, c'était marrant. Un des premiers duos de Francis. Il y avait CJ aussi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur filer à eux, là? 49 petits... Ouais, c'est bien. 49 petits sacs, 8 marchandises. Gros. Et 52 grosses liasses. Bah, let's go, attends. Même s'ils n'ont pas les tarifs ouf. On se met bien. Hello. Oui. Alors, combien tu reprends les grosses liasses? Alors, que je te dise pas de conneries. Les grosses liasses, je te les reprends à 52 là. Et les marchandises à 60. Alors j'ai 52 grosses liasses. 52 grosses liasses, je te le sais.
J'ai 8 marchandises. C'est pas ouf. Et j'ai 49 petits sacs. 49 petits sacs. Oui. Ok, avec l'achat de 50 de coco. Hop. Tu fais la diff? Ouais. Ouais. Je dois 2710$. Tu me redonnes 2000 plus... Oui, je te donne. Ok, plus la coco. Ok, bah c'est bien, c'est très bien. C'est parfait. Nickel. C'est parfait. Parfait. Bah vas-y. Moi, je t'envoie une position. Allez, bah j'arrive. Ça roule. À toutes. Merci, à toutes. Alors, 52 grosses liasses, 8 marchandises, 49 petits sacs. Let's fucking go. Oh putain, le permis camion. Ouais, il doit l'avoir encore. Mais je comprenais tellement pas le jeu à l'époque, putain. Ah ouais, il a tous ses points encore. Étonnamment. Après, c'est infernal le permis camion. Franchement, c'est chaud. Putain, j'ai déjà plus rien à boire. Mais non. Ah, fais chier. Je retourne au... d'argent sur moi. 4000. Ah mais je vais avoir plein de coco. Tu veux tourner le dos. Je comprenais rien. Tu voulais quoi, Yann? Faire des alertes? Zboop! Évidemment. 3 paquets de cigarettes, comme ça, il faut que je le pose aussi. M'envoyer la pause? Non. Zboop! Allez, on va faire des courses en attendant qu'il m'envoie la pause. Enfer de conduire cette voiture. Pourquoi? Mais non, je vais pas aller à la plage en plus. Je vais aller au Béni. Black Cat. Oula. De l'argent en faisant les grosses liasses et les marchandises avec les SOA, mais au moins je récupère de la coque, donc
c'est un investissement. La coco. La coco à Ibiza. Qui veut de la coca? La coca à Ibiza. Ibiza. Va tout le monde prendre la coca. Le matin, le soir et à midi. Petit déjeuner dans les céréales. Tu veux du sucre? Non, je préfère la coca. Bonjour. 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 Vous avez sonné? Oui. Super. Ah, je sais pas. Oui ou je sais pas du coup. Ah non, c'est ça, j'ai sonné, ça a déjà été pris. Ah, super. Allez, j'ai vu quelqu'un. Nickel. Pamos la croqueta, pamos Ibiza. Bon, mais j'espère que ça va les ozos en tout cas, hein, dans le chat. Que vous allez bien, que vous passez un bon lundi, que vous avez passé un bon week-end. La rave. C'est vrai que quand Francis attend comme ça et que je le sens muté, vous pouvez y aller. Hein. Généralement, c'est le moment où je regarde mon téléphone, je vais me récupérer de la flotte. Bravo, tu as déclenché la récompense suprême. Slarty. Parce que tu es une belle personne. Slarty. N'écoute pas ce que disent les autres. Slarty. T'es super. Slarty. Bravo, tu as déclenché la récompense suprême parce que tu es une belle personne. N'écoute pas ce que disent les autres. T'es super. T'es super. Oh Gaël, tu es si beau Gaël. Tu me fais du bien. Vas-y, fais péter les proutes de chêne. Vous aimez bien, hein. Je repense à ton fou rire, Paul, n'empêche. C'était... Zboub. C'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier le RP. C'est quand... Vas-y, j'ai fait senti péter que... les proutes de chêne. Quand j'ai senti que je pouvais faire craquer d'autres joueurs. En plus, j'étais pas vraiment dans la blague. Je pense que c'était plus la lourdeur de Francis. T'avais bien rigolé, c'était cool. On t'a entendu partir en fou rire et couper ton micro, c'était drôle. Allô? Allô? D'être un zozo. Ouais. Ouais. Dans une position à 5 minutes, ça te va? Ouais, carrément, ouais. Nickel. Vas-y. Ça roule. À toutes. À toutes, merci. Je vais juste. Ah oui, alors attendez, j'ai pas de pub. Les yeux collés. Du coup, tac tac tac, bam, bam. Oui, là, du coup, tac, oui. Tac, ça va? Oui. Qu'est-ce que... Ouais. Je peux venir, c'est bon? Je vais juste prendre un... Oui, oui, tu peux venir, j'ai envoyé la tête. D'accord, bah, j'arrive dans deux secondes. J'arrive dans deux minutes. À toutes. Ok, ça marche. Merci. De suite. Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous prendre 15 black 0? 15 black 0? Ouais. 15 black tea, 10 pizzas, 10 burgers, s'il vous plaît. Alors, 15-0, 15 Black Tea, 10 pizzas, 10 burgers, c'est ça? Voilà, s'il vous plaît. Un pain, 10 pizzas, 10 burgers.
Hop, les burgers. Ils sont là, je les avais perdus. Hop, on est sur du 1475$ et 17 kilos. Parfait. Alors, est-ce que je pourrais avoir... Non, c'est McDouglas, c'est ça? Attendez, vous m'avez dit 17 kilos? 17, ouais. Ah merde, j'ai que... Alors, non, mais je vais prendre du coup que 10 pizzas, pas les burgers. Je suis fou. Pas de burgers. J'ai que 12, 11 kilos sur moi. Eh ben, on est à 13 kilos. Eh ben, on va enlever 5... 5 boissons de chaque? Ouais. Donc 10 pizzas, 10 black tea, 10 zéro, on est à 10 kilos. Parfait. $150. Nickel. Allez, eh ben, je vais vous faire la petite facture. Ah oui, non, elles sont là. Là et les 12 black zéro. Alors... Attends, il y a les deux qui m'ont appelé en même temps, ça m'a troublé là. Hop, s'il vous plaît. Et merci. Merci. Allez, je vous amène ça tout de suite. Ça marche. Oh, wow, jamais, faut jamais se réveiller comme ça. C'est dur. Oh, le matin. Du coup. Oh, le réveil. Ok. Ouais, bon, je vous avoue que là, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde tout de suite. Je venais de sortir carrément de la salle de repos. Et, hop là. Alors, du coup, nous... Alors... 53. Là. Les Black Tea... Non, les Black Zero. Les Black Tea sont là. Hop. Et 10 pizzas. Yes. Et voici pour vous. Merci beaucoup. Allez, je vous donne tout ça. Et bonne soirée, à bientôt. Au revoir, merci. Donc, nous avons les Black Zero. Quand même pour lui dire il est où. J'arrive à déraper avec ce truc là. J'y aurais jamais cru hein. Quand même que je suis un peu en retard. Allez, putain. La course! Oh Shoda, putain, je t'avais pas vu! Parler de toi il y a quelques minutes. C'est fou ça. Tu parlais des premiers duos de Francis. Mais d'ailleurs, je me dis un truc parce que les gangs là, tu peux pas bosser avec des petites mains. Comment ça se fait que nous on avait bossé ensemble? Vu que j'étais une petite main, c'est bizarre. Et que vous étiez un gang. Normalement, j'aurais pas dû. T'es pas dans le gang encore. Ah ok, d'accord.
On a besoin du petit Francis. Francis, bonjour. Bien caché, hein. Hey Francis. Yo, ça va? Viens parler. Ce sera mieux ici. Salut. Salut. C'est à toi que je file tout? À mon collègue. Ok. J'ai déjà la coco, ça va être dur. Alors, nous avons 49 petits sacs. On a besoin du petit Francis. Nous avons... Francis, bonjour. 52 grosses liasses. Hey. Et nous avons 8 marchandises. Let's go. Hop, nickel. Nickel. Hop. Alors voilà déjà la farine pour ton gâteau. Let's go. Ça va être bon ce gâteau. Et un peu de monnaie pour acheter des œufs s'il y a besoin. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout beau. Ouais, c'est tout bon. Excusez-moi, je dois tracer. J'ai un autre rendez-vous juste après. Ça marche. Merci. Allez, en tout cas, ça fait plaisir. Salut. À hein. toutes. Ciao, ciao. Attends, c'est quoi déjà les vrais prix de la coco sur la plage? C'est quoi? C'est que ça a baissé? 300? Les vrais prix, c'est 2 dollars. Allez, rigole. C'est 300 dollars. C'est 300 ou 500? Non, 300. 300, d'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Et de rien. Allez, à salut. Tout. Bonne soirée. Oh la vache! Putain! Conduit mal les gens! Pas possible de conduire mal comme ça, attends. Les gars. N'importe quoi. Police secours, j'avais pas vu ta question. Pathfinder. Non, je l'ai pas encore enregistré celle-là. Mais je vais le faire, je pense, parce que j'ai un beau piano maintenant, bien calibré. Donc je pense que je vais l'éditer et la poster, un de ces quatre, sur Spotify aussi. Je savais qu'il y avait un radar ici, putain. Pourquoi je suis passé là? Regarde. Ouais, la pause ça m'a fait du bien, hein. C'était cool. Hein. Ouais, au final j'ai arrêté 2 mois. Mais même 2 mois, ça, c'était cool d'arrêter 2 mois, ça fait du bien. Et vu que de temps en temps je pars, je reviens, je pars, je reviens. Allô? Allô? Ouais, Francis? Ouais, ça va? Ça va? Ouais. J'ai une question. Vas-y. Je voudrais t'acheter une information. Vas-y, dis-moi. C'est bien sûr que ça reste entre toi et moi. Oui, évidemment. Okay. J'aimerais que tu me donnes le prix que te font les Astetas. Sur les petits sacs? Bah, sur tout ce qu'ils te font. C'est quoi le plus intéressant? Ouais. Attends, avant de me répondre, faut que tu me dises combien tu me fais ton info. Ouais, mais je sais plus les prix qu'ils font sur les marchandises et tout, je sais plus. Mais je vais les voir c'est là, que donc. Sur les petits sacs. Tu vas les voir là? Là, je dois, ouais, là, maintenant, je suis en retard, en plus. Donc, je te rappelle après, okay. Si tu veux, je te dis. Bah, vas-y, note bien tout, à voir compte, s'il te plaît. 300 sacs, je le ramène, là. Papier. Let's go. Ouais, note sur un petit papier. Et 300 sacs, ils te les reprennent à... Ah, non. Vas-y. Allez. Tu me diras après. Okay. À tout. À tout. Ça rentre pas. Ah mais non, mais j'ai la coque. Je suis con.
Ah, c'est bon. Allez, 100, 200, 300. Putain, ça traficote là, hein. Ça traficote sévère. Vas-y, ça, on s'en fout. Hop. Ça, ça sert à rien. Traficote fort, traficoteur. Ça me stresse à chaque fois, hein. Traficotage. J'ai besoin du petit Francis. Bonjour. Oh Gaël, tu es si beau Gaël, tu me fais du bien. Merci. C'est vrai que je suis beau. Si je ne m'abuse là, c'est quasi que des sacs que j'ai volés en plus. Vu que j'avais... Ah non, il y a peut-être encore un peu de... Les mads. J'espère que vous aimez bien me regarder galérer quand je fais mes allers-retours de voiture, là, remplissage de coffres. J'espère que ça vous procure du plaisir satisfaisant. Let's go. Bravo, tu as déclenché la récompense suprême, parce que tu es une belle personne. N'écoute pas ce que disent les autres, t'es super. Regardez le péteur là. Presque plus d'essence. J'enchaîne dans mon jerrycan. La maîtrise de ce véhicule est aléatoire. On peut vraiment tuer des gens, quoi. Thank you.
J'espère que t'as kiffé ton alerte, Mr. Peter. N'écoute pas ce que disent les autres. Je te demanderai d'attendre un peu plus par là-bas, s'il te plaît. 2 minutes. D'accord. Là-bas où? Merci. Là-bas où? Là-bas. Là-bas. D'accord. Merci. De rien. On t'appelle quand c'est bon. Ça marche. Vas-y, fais péter les proutes de chêne. Vas-y, fais péter les proutes de prout. Ah bah oui, là, vous pouvez y aller. Bravo, tu as déclenché la récompense suprême, parce que tu es une belle personne. N'écoute pas ce que disent les autres, t'es super. Zboob! Bonjour. Yo, Francis. Yo. Ça va? Salut. T'as un vrai truc, ça? Ouais, ça va bien. Ouais, c'est un rat de truck, ouais. C'est mon premier véhicule, c'était ça aussi. C'est cool, hein? Avec un moyen. Tiens, j'ai arrivé. Un moteur qui ressort aussi, ouais. Bon, comment ça va? Par contre, c'est pas très maniable, hein. Ouais, c'est pas grave, ça. Ouais, mais j'aime bien pour transporter. C'est la merde de ceux qui te cassent les couilles, tu vois. Ouais, pour transporter des trucs, j'aime bien. Ouais, j'ai 300 pour vous, là. Vas-y, c'est dans lequel qu'il doit mettre? Là-bas. Ok. Ok. Traficotage, traficotage, traficotage. Alors, 220. Let's go. Ça bosse, hein. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok, Mistou. Donc toi, c'est mort mercredi, c'est sûr.
Putain, mais ouais, je te dis, c'est le seul jour où je suis pas là, j'ai trop les boules. Ouais, tout le monde, ça aurait été identique corde en plus. Mais ouais. Voilà. Merci pour l'argent. Vas-y, bon, si je refais un truc comme ça, on verra. Hein. Ouais, limite, préviens-moi un peu avant. Moi, les mercredis, c'est pas foufou, hein, généralement. Ok. Oui. Bah, ça allait peut-être un peu plus pour d'autres. Hein. Ouais, bah, c'est pas grave, écoute. Moi, tant que je reste avec les mêmes tarots, moi, je vous ramène la moula. Hein. Oui. Ok. Je suis content. Je voulais te demander, les marchandises, vous les reprenez combien? Marchandises, je voulais ça. C'est comme les sacs. Même prix que les sacs? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Mmh. Oui, c'est ça. Et les grosses liasses? Aux liasses, elles en bougent pas. 75. 75, ouais. Ouais, ok. D'accord. Nickel. 45 les liasses. 45? Oui. D'accord. Et les marchandises, 90. C'est ça. 45 les liasses, 75 les grosses, 90 marchandises et sacs. 90 marchandises. D'accord. 45 les liasses. Le ouais, si tu vois qu'on les tient, ouais. Ouais, ça, je le fais plus, moi. Ok. Nickel. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Et bah, si je peux vous refaire un petit blanchi demain, c'est cool. Bah, c'est un peu, hein. Tu sais déjà de quoi, quoi. Bah, je pense que ça va être des petits sacs et marchandises encore. Hein. Ouais, mais tu connais le combien? Quoi? Ah mais non, non. Tout. Bah, non, parce que je vais bosser. Bah, c'est soit demain, soit jeudi, mais je t'enverrai. Si bon, vous voulez, je vous appelle en début d'après-midi. Si tu sais pas pour l'instant, tu rappelles. Ouais, voilà, je vous rappellerai quand j'aurai des trucs, quoi. Sinon, on fera jeudi, c'est pas grave. Oui. Top. Bah, merci beaucoup. Vas-y, à plus, hein. Bossez bien, bonne soirée. Plus. Merci. Merci. Bonne soirée. Et merci pour ton sub, Azel. J'ai pas noté, j'ai pas tout bien écouté les sacs. J'étais en train de faire le zozo. Putain, il a dit quoi? 75 marchandises. Là, vous pouvez m'aider. Là, il y a du backseat autorisé, là. Ouais, le prout dans le parking, c'était très marrant, mais ça m'a perturbé, du coup, j'ai mal écouté. Oui, backseat autorisé, c'est moi qui demande. Mais 90, c'est les prix qu'il fait à moi, il les fait pas à tout le monde. Putain. 90, petit sac, 90 marchandises, 75. C'est quoi, 75? Grosse liasse, ok. 75 grosses liasses. Ok, putain, je sais pas comment je vais vendre cette info à. Une banque, ça serait bien que je trouve une banque ou une banque honnête. Ah, je suis con, je suis passé de là. Putain, là, le blanchi que je viens de faire, c'est plus qu'un concert, quoi. Ça gangstérise bien en ce moment. Hein. Avec les Aztecas là, c'est cool. Au début, je les prenais pour des rigolos. Hein. C'est pas du tout des rigolos. Hein. Oh non, mais je reviens au même endroit où j'étais. Oh, ça n'a aucun sens. Ça vaut bien de la moula cette info, au moins 5000. Hein. Moi, je vais demander 5000, rien à foutre. Non, là, c'est moi qui ai demandé. Bah, c'est bien, vous m'aidez. On joue ensemble, hein, le chat. Les oiseaux. Je dis le chat comme si j'étais chaud. Mais je ne suis pas chaud, hein, je suis gay. Les petits oiseaux dans le chat. C'est un peu ça, ouais. Fier d'être un zozo. En plus, j'ai aimé faire, ça me dit note bien sur un papier. Elle me connaît. Hein. Bah, ça fait du bien, surtout que vous pouvez pas backseat là. Moi, je vous ai donné l'autorisation. Ça et de faire des proutes et des sons de. On a besoin voilà. De petit Francis. Francis, bonjour.
remonte à 80 000. Let's go. Et dès qu'il y a la paye virement... Attends. 12 000, c'était... Fier d'être un zozo. 7. Attends, les 12 000 qu'il y a là, c'est le... Le 7, c'était quel jour? Ouais, non, ça c'était l'autre, le concert d'avant. Normalement, j'ai plus. Putain, c'est bon. Ça marche bien! Bon, t'as 20 000, c'est bon ça. À 100 000. Let's go. Allô, Francis? Et qui c'est qui vient de se faire 30 000 balles? C'est Francis McDouglas. Dis-moi. Bravo. Et ça va faire beaucoup de glace à la fraise pour manger cet été. J'ai tous les tarots. T'as les tarifs? Ok. Je pense que c'est une information qui vaut au moins 5000 balles. Je t'en donne 2000. 2000? Attends, c'est de la merde. J'ai tous les chiffres exacts et tout. 2500. Je viens d'avoir... J'ai des infos pour... C'est des prix... Trois mille. 2005. Putain, la négocieuse là, écoute là, la négocieuse. Bah ouais, là. Allez, 2005, ça va. Ouais, c'est vraiment parce que t'es mon ex-femme, future femme. Bah ouais. Ouais. Je te fais ça tout de suite, attends. Et. Ouais, Carly te fait le virement. 2500, tu peux. Vas-y, dis-moi. Ouais, j'attends d'avoir le virement. Ouais, attends le virement. Bah ouais, attends. Attends. C'est bon, j'ai reçu le virement. Alors par contre, moi j'ai un tarif préférentiel sur les petits sacs. Tarif préférentiel, ok. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Sinon. Ok, c'est combien? Je vais te donner mes tarifs à moi. Attention, roulement de tambour. T'es prête? Bah ouais, j'attends. Alors, nous avons 45 petites liasses, 75 grosses liasses. Attends, 45 petites liasses, 95 grosses liasses. 75 grosses liasses. 75 grosses liasses, ouais. Marchandises, 90. 90 les marchandises, ouais. Et les petits sacs, 90. Mais ça, je crois qu'il fait qu'à moi. Petits sacs, 90, mais que à toi. Ouais, okay. Parce que j'ai un peu râlé, mais 90, je crois que c'est... 45. On ouais. À 75 et 90 marchandises. Ouais. Il y a ça. Mais je crois que tous les autres tarifs, c'est bon, c'est pour tout le monde. Mais... Ouais, oui, excuse-moi. Ouais. Les autres tarifs, c'est pour, ouais. C'est pour tout le monde, c'est bon. Les marchandises, je pense que c'est ça aussi. Ouais. Putain, d'ailleurs, j'ai fait marchandises avec les SOA, c'était beaucoup moins cher. Hein. C'était genre 70 ou 60, putain. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ouais, et moi, j'ai un tarif préférentiel avec eux parce que j'en ai ramené plein là. Donc je pense que les petits sacs, ils font plutôt 80 ou 75 maintenant. Voilà. Ouais, 80 ou 75 pour les autres que toi, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, okay. Je suis un peu VIP. Ça marche. C'est bien, je me fais de la thune. Bah, merci Francis, c'était... Ouais, et si je vous achète des petits sacs, vous me les faites à ouais. Combien du coup? Nous, on fait combien les petits sacs? Ouais. Bon, je regarde. Comme ça, je me fais une petite marge, c'est cool. 60. C'est 60. Quoi? Je sais pas ce qu'il vient de me dire, Karl. Si je vous achète des petits sacs, vous me les vendez 60? Si on achète, il dit. Quoi? Ouais. Bah si, attends. Attends, vas-y. Apparemment, on ne rachète pas. Non, je sais pas. Bah, Jean, il m'en a vendu 1000 la semaine dernière. C'est à mort que vous achetez des sacs. Enfin, que vous les vendez. C'est 80, ouais. C'est déjà ce que tu avais fait la semaine dernière avec Jean. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, oui, c'est toujours 80. Voilà, c'est ça ma question. Putain, c'est con, t'as dit ouais, 60, non, mais j'aurais dit. J'avais pas compris, mais moi j'avais compris, je l'avais plus pris.
T'as, j'aurais dû dire oui, j'aurais dû dire ah, 60 c'est bien, vas-y je t'en prends 10 000. Ça aurait été marrant, chérie. Ah ouais, ça aurait été marrant, ouais. Je serais fait déglinguer. Tu te serais fait engueuler, ouais. Trop drôle. Ouais. Ah, c'est trop marrant, ouais. Et moi, j'aurais fait de la moula. Brûlez-la sur le bûcher. Oh non, attends, on va pas se brûler. Avec des douleurs. Dakodak, 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 Dakodak. Est-ce que je peux vous en prendre 250, là? 250, attends. 250 petits sacs, c'est ça que tu veux? Exact. Je vais voir si j'en ai. Je vais demander à Karl et je te rappelle. Vas-y. Merci. Merci Céline pour ton commentaire, c'est gentil comme tout. Cet été, est-ce que tu vas à Ibiza, toi? Je voulais dire à Ibiza. Let's go, let's go. Tout le monde à Ibiza, ouais, ouais, ouais. On voit quoi? Une margarita. Où ça, à Ibiza? Ça. Let's go, à Ibiza. Ça. Let's go. Let's go. Hey Francis, il traficote bien, hein, le DAF, hein. Ça a bien traficoté aujourd'hui, hein. Ça fait de la moula. Hein. J'ai récupéré plein de coques. J'ai récupéré 52 coques. J'ai récupéré 27 000 balles du blanchi. Non, là, c'est bien, hein. Ça commence à bien rentrer, la thune, c'est cool. Il va y avoir les sous du concert aussi, à peu près 20 000 balles. Donc là, non, à partir de maintenant, ça va être bénef, bénef, bénef. Comme ça, Francis pourra s'acheter un appartement. Une voiture de course, ça serait bien aussi. C'est bon, ça. Plus toute la coco à vendre. Ça va faire 15 000 balles à peu près. On est bien. Allô? Ouais. Ouais, Francis, ça va être ok pour te revendre des trucs. Génial, super, top. On peut faire ça demain, début d'après-midi? Demain? Ouais. Bah vas-y. Ok, je vais aller te coucher. Ouais, là j'aurais pas le temps, je pense, sauf si je viens en speed maintenant, mais je préfère ça demain. Non, bon, vas-y, on se verra demain, je me rappelle, et puis... Vers 15h, 15h30, c'est bon? Ouais, non. Y aura qui du groupe? Je sais pas. Mais moi, je serai là. Tu seras là, toi? Bah ouais. Ouais, super. Bah vas-y, on fait ça demain, trop bien. Vas-y, let's go. Let's go, super. Bah je vais aller faire dodo, alors je te souhaite une bonne soirée. Bien. Ouais, toi aussi. Je te fais un bisou là où t'aimes bien. Ok. Ça marche. Des bisous. Des bisous et bonne soirée. Hein. Bisous à Karl. Pas là où ça il aime marche. Bien, juste un bisou normal à Karl. D'accord, je lui dirai. Super. Il te fait un bisou, Karl. Allez, à demain. Allez, bisous, à demain. Parlons code. Message codé. C'est sur le coude, elle aime bien sur le coude. Allez, le dodo.
J'aimerais bien savoir combien je me fais de marge. Quelqu'un est plus fort que moi en maths. Quand j'en achète 200 et que je les revends 80. Allô? Je suis droit, Francis, là. Quoi? Bah, il t'écrit pas les valeurs sur le téléphone, là, comme ça, par message. Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié, je suis con. Oh, tu quoi, ça? Oh là là, t'appelles, je suis... j'avais oublié, putain. Non, j'allais me coucher. Supprime la conversation, là. Oh là là, je supprime tous les messages? Ouais, tu supprimes la conversation que tu réponds, ouais. Putain, excuse-moi, Jason, j'avais oublié. J'allais me coucher, je suis la tête en vrac, là. Mais c'est pas grave, mais supprime ça. Je supprime et direct. Et tu m'as dit 205 pour demain, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, je note. Ça marche, merci, hein, désolé. Allez, à plus. Bonne soirée. Putain, je suis con, hein, j'ai oublié. Non, j'achète 200. Bon, je ferai moi le calcul, c'est pas grave. J'aime bien me faire engueuler quand je fais des conneries. Ça, c'était une vraie belle connerie. Hein. J'ai complètement oublié. 5. Donc je me fais 2000 balles. Les transactions que je fais là, me faire chier aller chercher des 200 sacs, je me fais 2000 balles. Que je peux perdre avec un radar, quoi. Bon, après, généralement, j'en amène plus. Pas de risque de CP, c'est vrai. Mais vu que j'en braque un peu à côté, au moins ça fait 200 plus plus. Là, j'en ai pris 250, j'en aurais 50, ce qui fait que j'en aurai encore 150 ou 200 jeudi. Ça va. Ouais, ça me fait du stock, ça va, ouais, c'est cool. Regardez-le là, le dormeur. Avec sa tête là. Tête de caca. Allez, fin de session. Vous pouvez vous amuser sur les récompenses.